Alors, ben, bonsoir tout le monde. Écoutez, on est tous excités en ce jeudi parce que après-demain, c'est le début d'une nouvelle saison pour plusieurs de Chasse au cerf de Virginie. Fait que, salut Martin, salut Stéphane. Salut Serge, salut Steph. Bonsoir tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je pense que tout le monde va bien, tout le monde est excité. Écoute, déjà, il y a plusieurs personnes qui joignent à nous autres. Mm-hmm. Ce soir, bien, on va parler évidemment d'un cerf de Virginie, mais on a des prix à faire tirer. Steph, j'aimerais ça que tu me parles des prix que tu vas nous faire tirer. Déjà? Ben, on va parle de ça. Ben, ouais. Je veux juste qu'on les annonce pour mettre les gens. On fait tirer 4 ensembles complets de chasse au chevreuil, 2 ensembles qui vont être l'ensemble 140, qui est l'ensemble complet pour pouvoir provoquer le chevreuil, puis on va faire tirer 2 ensembles 141. Qui sont les deux l'ensemble qui est fait pour faire des sites d'appâtage avec protéines très, très, très protéinées. Fait qu'on va en faire tirer 4. C'est une valeur d'à peu près 500 $ là, qu'on fait tirer ce soir. Good. Fait que ça va matcher avec ce qu'on va parler parce qu'on va parler de technique, on va parler d'appâtage, on va parler de plein de choses, de vêtements, de mirador, comment s'installer si on chasse à l'arc, à l'arme à feu, avec une foreste, comme tu dis si bien, là. Fait que, écoutez, les gars, moi, j'ai le goût de commencer. On va prendre quelques minutes, là, le temps que les gens se branchent. On va leur donner le temps d'arriver. Mais j'ai des questions que les gens nous ont posées parce que quand on a fait l'événement, quand David l'a programmé, il a programmé une discussion là-dedans. Il y a plusieurs questions qui sont revenues. Et il y en a une, entre autres, là, qui je me pose des questions. Tu sais, au niveau de l'orignal, je sais un petit peu comment ça fonctionne. Mais au niveau du chevreuil, je ne me suis jamais... poser cette question-là, c'est la grandeur d'un territoire d'un mâle. J'imagine que c'est comme l'orignal. Il doit y avoir une différence entre saison régulière et période du rut. Mm-hmm. Ben écoute, on va. Martin pourra ajouter parce qu'on est deux gars du même secteur. Ouais. Moi et Martin, ouais. On chasse pas mal la même affaire. On chasse tous les deux dans l'Outaouais et dans Laurentides. Ce qu'on a comme étude, c'est que dans les secteurs boisés, où est-ce que les montagnes, comme dans l'Outaouais et comme dans Laurentides, ouais. Ben, un boc chevreuil, dans l'été, va se tenir à peu près dans 250 acres à peu près, OK? Puis, entre 250 et 450 acres, en moyenne. Puis, quand tu embarques dans le temps du rut, ben là, il peut couvrir jusqu'à 5, 6, 7, 8 km carrés, tout dépendant. Puis, c'est prouvé que quand tu t'en vas, mettons, si on s'en irait plus vers les cantons de l'Est, où est-ce qu'il y a moins de montagnes, plus de champs, plus d'agricoles, ben là, ça augmente. Il peut vivre l'été dans 450 à 600 acres. Puis après ça, ben, quand le temps du rut arrive, ben, il peut monter jusqu'à 10, 12 km carrés où est-ce qu'il va vivre. Fait que, tu sais, c'est beaucoup moins gros qu'un orignal, que l'orignal va vivre dans 10 km carrés et plus. Ben, le chevreuil, lui, c'est plus condensé. Tu sais, le chevreuil, c'est pas compliqué. Hein, il se tient jusqu'à la bouffe. Il est très opportuniste. Si l'habitant est là, la sécurité, tout ce qui ça y prend, ben, il n'y a pas besoin de bouger plus que ça. Puis après, ben, c'est les femelles qui vont gager à patente avec le rut. Fait que c'est à peu près ça en moyenne. Là. Exactement. Tu m'enlèves les mots de la bouche, Steph. C'est tout comme ça. Tu sais, ben, tu pognes un boc qui a 6-7 ouais. femelles avec lui, tu sais, il va rester là, mais s'il n'y en a pas une qui s'embonne là-dedans, il ne perdra pas son temps. Il va partir, il va courroyer. C'est ça que c'est la chasse. Oui, c'est ça. Fait que les que ce soit l'orignal ou le cerf de Virginie, là, c'est la même chose. Tu sais, mais moi, personnellement, je ne m'étais jamais arrêté à ça parce que, premièrement, quand je chassais aux États-Unis, on ne chassait pas sur des appâts, on n'avait pas le droit, il n'y avait pas d'appâts. Donc, ça changeait notre façon de chasser. On chassait sur des trails. Longtemps, on chassait. Mais tu sais, je vais te conter une anecdote qui m'est déjà arrivée. Là, je chassais en Saskatchewan. Puis à un moment donné, je fais sortir un beau mâle, un beau 8 points sur le rackling. Puis le bas, quand il arrive à moi, je suis sur le bord de prendre le tir dessus.
Puis quand il se tourne la tête, il y a le panache complètement cassé, bien botté, il n'y a qu'un beau 8 d'un bord, ouais. Mais l'autre bord, je ne l'ai pas. Le lendemain, j'avais changé de territoire, j'étais à peu près à 13 km de où je l'avais sorti sur le rattling. Je te vois arriver un beau bug dans le champ, puis je vois juste, tu sais, je vois un panache en venir, puis je me dis, stick, lui, je le prends, il est beau. C'était le même bug. Dans la nuit, il avait fait 13 km de où est-ce qu'il était. Tu sais, Stéphane, là, souvent les gens, tu sais, moi, je reçois des commentaires, puis ils me disent, hey, ça fait 3 jours, je ne l'ai pas vu, il ne vient plus dans mes pommes. Ben, lève-là, tu viens, c'est exactement ouais. ce que tu viens de dire, ça prouve que c'est ça que ça fait. Ça se promène. Ouais. Puis là, après exactement. Ça, 3-4 jours après, pouf, il revient. Ben, c'est, ça, c'est bien important, surtout dans ce que tu parles là, que les chasseurs, il ne faut pas que tu commences ça la veille de la chasse que tu remarques ça. T'sais, moi, souvent, là, j'ai commencé à patronner depuis le mois de septembre, puis je le sais que j'ai des bocs qui sont aux 3-4 jours qui vont venir. Cette année, je n'avais pas de gros master, mais là, j'ai un master qui vient de rentrer. On l'a patronné, puis il est aux 3 jours. Fait que là, ben, il est dans mon secteur, il est venu. On l'a patronné 3 jours. C'est les dates qui passent... Aux 3 jours qu'on a qu'on bête pour la chaise. Je m'en souviens plus pour vous le dire. Et là, ben, nous autres, selon ce qu'on a, il devrait être là samedi. Fait que là, ben, samedi, on a bâti notre stratégie. Yann s'en va une place, mon gars Sam va être un autre, moi je vais être un autre en espérant qu'on va se présenter. Mais tu sais, à l'ouverture de la chasse, mais l'affaire peut arriver, là, tu sais. Mais tu sais, ben, il est patronné. On l'a, suite en dedans, en 2 shots, on le savait que c'était aux 3 jours. Fait que là, ben, on. Oui, parce que là, ce qu'il ne faut pas oublier, là, c'est que bon, tu l'as patronné depuis le mois d'août. Ah, pas celui-là, Serge, il est rentré, tu fais 3, ouais. 6, ça fait 6 jours qu'il est rentré dans nos spots. C'est ça. Mais là, tu sais, c'est calme en forêt, là. Il y a une semaine de relâche. Ouais. Il y a eu un petit peu de chasse à l'arc, chasse à l'arbalète. La pression n'est pas trop, trop forte versus l'arme à feu. Mais là, tout va changer samedi matin, là. Hey. Mais que ça rentre dans le bois, là, c'est plus... Hey, check bien ça. Vendredi soir, là, faites un test, OK? Ceux qui chassent le chevreuil, là. Vous arrivez au camp, là. Mettons, vous arrivez à Brunante au camp, là. Prenez une demi-heure. Ouvrez votre porte, mettez-vous une chaise, asseyez-vous, puis écoutez. Vous allez capoter les mouvements qu'il y a dans le bois à l'ouverture. Ouais. Les bocs qui ont 3, 4, 5, qui ont passé à travers ces saisons-là avant, là. Donc, ils sont vont, souvent, ils vont... La seule affaire qui va les faire bouger, c'est si dans votre secteur, vous faites ni vu ni connu les 2 premières journées. En tout cas, moi, c'est ce que je fais. Puis l'autre affaire après, c'est que tu espères que les gars vont toutes les faire bouger. Puis si toi, tu n'as pas laissé d'odeur, qu'ils vont s'en venir dans ta place à toi. Parce que c'est hallucinant. Le vendredi soir, le mouvement qu'il y a dans le bois, c'est fou. Exactement, exactement. Écoute, moi, je commencerai tout de suite. On est déjà rendu à... Un peu plus d'11 personnes là, qui nous écoutent. Là. Je pense qu'on pourrait faire tirer un de tes ensembles, Steph. Je ne sais pas ce que t'en penses. Tu vas-tu pouvoir être capable, quand on va avoir fini, tu vas-tu m'envoyer les noms, puis on va leur envoyer leurs produits? Oui, je vais tout t'envoyer ça. OK. Le premier, ce qu'on va faire, c'est qu'on va demander aux gens d'aller partager le live. Et à travers tous ceux qui ont partagé, on va faire tirer un des ensembles. Lequel tu vas faire tirer, le premier? Bon, on va commencer avec le premier, le 140, l'ensemble de provocation. OK. Tu me permets-tu? Ah non, je ne ferai pas ça. Je ferai pas ça tout de suite. Je ferai pas mon. Non, non, attends. Continue. Mais j'ai des questions par rapport aux odeurs, justement, aux lignes d'odeur. Il y a quelqu'un qui a posé une question face à ça. Il voulait savoir si c'était très pertinent de faire des lignes d'odeur. Je vais te laisser. Je vais vous laisser répondre. Je connais déjà la réponse. Martin, vas-y en premier, puis les lignes d'odeur, toi, tu fais comment? Ben, les lignes d'odeur, moi, honnêtement, c'est une ligne d'odeur. J'ai même eu une question. Je pense que ça fait 2 semaines ou 3 semaines de ça. Hey, je devrais-tu commencer mes lignes d'odeur tout de suite? Moi, personnellement, je vais avec non. Pourquoi? Tu veux l'attirer à toi. C'est une ligne d'odeur. Tu fais une ligne d'odeur, tu n'es pas à chasse. Tu es fait. C'est ça. Tu es fait. C'est l'erreur que souvent les gens font. Ben oui. Ils vont préparer le territoire, mais ils ne sont pas là quand le gibier va arriver. Ils vont faire des faux grattages, ils vont faire des fausses lignes d'odeur. Ils ne sont pas là. Lui, le chemin, il arrive, il check. Il n'y a rien là. Tu viens de manger, c'est justement. Puis, je vais pousser ça plus loin que ça, OK? Quand on parle de faire des sites d'appâtage, OK, il y en a qui commencent 6 semaines avant. Le 6 semaines avant, moi, je trouve qu'il est efficace quand tu es tranquille. Si tu as grand territoire, là, tu vas garder. Mais quand tu as des petites parcelles de territoire, tu sais, il y a des gars là, qui chassent en 5 acres, 10 acres. Mais ça, là, si tu mets 10 gars
dans 10 autres, là, c'est rien que 100 autres, tu as 10 appâts qui sont là-dedans. Écoutez, ces 10 gars-là, ils vont laisser des odeurs, des erreurs, tout le kit. T'es bien mieux, toi, à ta place, à rien faire. Le matin d'ouverture, tu fais le micro à pas, tu t'assis dessus, tu mets une nouvelle odeur, des protéines, tu t'assis. Vous allez rester surpris comment est-ce que ça réagit. Stéphane, j'ai déjà eu du succès là, avec ça. J'ai fait une appât qui a duré tout mon temps de chasse à l'arc. Puis avant, quand j'ai bêté un peu avant, une semaine ou deux avant, puis c'est rien qu'à la fin, puis j'ai changé de place. Ouais. J'ai fait une nouvelle, comme tu dis, une micro appât. J'ai tiré mon boc à 1000 pieds de là, qui était dans mon appât que j'avais fait, puis il était nuit. Absolument. Moi, je suis arrivé là-bas, boum, je l'ai plugué dans le jour. Fait que... Absolument. C'est le secret au Québec, à cause de la pression de chasse qu'il y a, que quand tu as une place et ça reste de nuit, ben prends, tu sais, fais un micro à pas, là, c'est pas gros, là. Un bol de crème glacée, tu mets du maïs, mettons, tu mets des protéines, tu mets des pommes, un peu d'odeur, puis t'en fais une place, deux places, trois places, quatre places, tu mets des caméras, puis tu laisses aller ça, puis badang, tu fais, c'est là que ça arrive. Exactement. Regarde, on a une question justement par rapport à ça. Là. je me souviens plus qui l'a posé. Là. Il chasse un appât, il y a des femelles, puis probablement qu'il ne voit pas de boc, ou les bocs doivent sortir de nuit simplement. Vous en pensez quoi, vous autres? Tu y aller, Steph? Je peux y aller. Ouais, ben, première affaire, ouais, si tu as juste des femelles à ton spot, ta job, c'est une journée qui pleut, que tu es capable de bouger un peu alentour de ton site d'empâtage, va juste faire 50, 60, 100 mètres d'un sentier qui descend. Ah ouais, va voir si tu as des signes. Tu sais, si tu as des frottages, des grattages qui sont avant ton appât, c'est pas compliqué. Le bas qui a caché la game, qu'en bas, c'est dangereux. Lui, il se parle plus haut. Les femelles qui passent, il les chase, il va les chercher, il va aller les courroyer dans les montagnes. Puis toi, tu vas sécher sur ton appât. Fait que tu sais, cette technique-là, on appelle ça une technique de saut de crapaud. Lâche ton appât. Montre vers où est-ce que tu as des signes, puis à un moment donné, tu vas te fesser dedans, tu vas être capable de le récolter. Tu sais aussi, c'est difficile de faire sortir un boc à l'appât si tu n'as pas une femelle qui est en chaleur ou qui sent bonne. Tu sais, s'ils sont tous pareils, il n'y a pas d'intérêt à aller là, lui, là. Tu comprends? Fait qu'il va sortir de nuit, mais tu sais, moi, j'irais peut-être avec une ou deux scrapes, un faux gratté, fais deux. Tu sais, tu tentes de quoi? C'est mieux que rien faire. Fait que j'irais avec un grattage ou deux, mais pour le reste, si ta femelle, elle sent pas bonne. Il n'y a pas d'intérêt à se présenter là. Là, en fin de semaine, là, on rentre dans le prime où est-ce que les bocs ils courent après la première femelle qui va tomber en chaleur. On commence, Stéphane. Je l'ai vu. Toi, tu veux un accouplement? Je n'ai pas vu d'accouplement, mais j'ai vu des bocs chasser, grunter. Ah oui, ben oui, c'est sûr. Mais là, c'est parce que tant qu'ils chassent, il n'y a pas une femelle qui est en chaleur. Là, c'est le meilleur. En fin de semaine, c'est le meilleur du meilleur. Là. Parce que même que la première tombe en chaleur, là, ils vont chamer sur elle, ils vont essayer de la coupler, ils vont tous se calmer. Mais tant que la première n'est pas tombée en chaleur, ça, vraiment que c'est malade. C'est ça. Je vais revenir sur le point de quand tu chasses le mâle, de se mettre en périphérie de l'appât. Aux États-Unis, l'État où je chassais, là, en New Jersey, on n'avait pas le droit de faire des appâts. Tu avais le droit de faire des appâts, mais tu ne pouvais pas chasser en dedans de 300 pieds de l'appât. Okay. Ce qui fait que ben, moi, on n'en faisait pas. D'abord, on n'avait pas le temps parce qu'on allait là une couple de semaines dans l'année. On n'était pas là. Mais mon chum Bob, qui était là-bas, qui était sur un club privé, eux autres faisaient des appâts. Ils dompaient du blé d'Inde 45 pieds. Là. Ils chassaient autour de ça. Puis là, tout dépendant des signes qu'il y avait, c'est là qu'ils se mettaient. Et c'est comme ça c'est comme ça que j'ai appris à chasser le chevreuil. Moi, chasser c'est un appât. Je n'ai pas d'intérêt. En plus, c'est que le chevreuil, quand il sort, là, qui est dans sa traîne, puis qui s'en va vers l'appât, mais qui sait qu'il y a une limite, qu'il veut se garder. Mais quand il arrive là, son attention là, est attirée par l'appât, il ne pense pas à toi. Là. T'sais, fait que ça te donne un avantage. Vas-y, Stéphane. Non, vas-y, Marc, je vais y aller après. J'ai fait la fin de semaine de la relève. Là. Ouais. J'ai fait une vidéo sur ma page. Là. J'ai dit que William dormait. Là. Le boc à la fin, là, il ne rentre pas pantoute. Là. T'as-tu vu? C'est un beau boc, là. C'est un boc 4,5 facile, des pins de 10 pouces. Il regarde, là. Les femelles sont là. Il y a un petit 8 points. Moi, c'était le meilleur decoy que je pouvais pas avoir. Exact. Mais si tu penses qu'il revient, il a jamais drette, là, lui. Il a pas rentré. Il a pas rentré pantoute. La carabine, il est faite. Mais c'est pas bien. Il a pas rentré, Stéphane. C'est ça. J'ai déjà, en Illinois, à un moment donné, j'avais un stand de montée. Puis, on avait le droit de bêter dans le secteur où est-ce qu'on était. Fait que j'avais mis un tas de maïs.
J'avais mis des odeurs, je m'étais monté dans les salles, mais je me suis dit, ça va être le fun, je vais pouvoir l'attendre. Puis je vois un beau box s'en venir. Là, je me dis, tabarnan, le mec qui arrive à la peau, il va se mettre broadside, flou, pour être capable. Boom. Quand il a vu la peau, mon gars, là, il a changé d'état. Il ouais. savait qu'un tas jaune à terre, ça amenait du danger, puis il s'est en allé. Ben, écoute, quand je chassais au New Jersey, on n'avait pas le droit de faire des appâts, mais à un moment donné, ils ont permis de chasser sur les appâts. Nous autres, on est montés là avec des voyages de pommes, hein, tu sais bien? Ah, mais oui. Oublie ça, là. Non. Oublie ça, ça breakait, mon vieux, à 100 mètres de l'appât, là. Ça breakait, ça revirait de bord. Fait qu'on a commencé à chasser comme on chassait avant. On a laissé les appâts là pour faire de l'odeur. On a chassé en périphérie. C'est ça. On a récolté, mais directement sur l'appât. Écoute, ils sont éduqués. De toute façon, le chevreuil s'éduque. La oui. façon qu'on chassait le chevreuil il y a 25 ans est totalement différente aujourd'hui. Là. C'est plus que le chevreuil s'habitue à la pression de chasse. Là. C'est plus dur de chasser un boc mature sur un appât que sur une transition ou une zone de déplacement. Oui, mais exactement. Par contre, une affaire, c'est si tu as un endroit, tu as un appât, que tu ne mets pas de pression toi dessus. Ah, ben là, okay? ben non. Là, c'est une autre game. Parce que moi, tous les appâts que je chasse, jamais je les chasse le matin. Je vais chasser celles qui sont Joe. Puis c'est là que les micro-appâts font la différence. Parce que si tu as un méga-bait, où est-ce que ça rentre et saigne de nuit, puis comme tu disais tantôt, tu vas faire 2-3 micro-appâts à 50, 100, 150 mètres de là, tu ne les chasses pas tout de suite. Tu laisses aller tes caméras de surveillance, tu fais ton tour le matin de tes caméras, puis là, ben, tu le vois. Écoute, c'est exactement la technique que j'ai faite avec le méga-buck que j'ai présentement. Il était nuit, on a fait 5 micros à pas, on en a 2 qui est jour. Quel tu penses qu'on chasse le samedi matin? Les deux, là, c'est pas plus compliqué que ça. Fait que, tu sais, les appâts, ça a un avantage, un désavantage, mais si tu les chasses bien, c'est un avantage. J'en ai tué des méga-bucks sur des appâts. Ouais. Mais, ben oui. Le problème, c'est chaque minute que vous passez sur un appât, OK, c'est une heure d'éducation que vous donnez un chevreuil. Point à la ligne. Oui, effectivement. Effectivement, parce que tu rentres des odeurs, tu fais des déplacements, tu fais du bruit. Il y a plein de choses. Il y a plein de choses que les gens font. Puis écoute, ils catchent ça tout de suite. Là. Oui. Quand on a commencé à chasser à l'arc, il y a plusieurs années, on avait des petits blocs de bois montés dans les arbres. Oui. Quand on montait à 8-9 pieds, c'était pas mal le top. Là. Mais aujourd'hui, tu ne peux plus chasser à cette hauteur-là. Là. On chassait au Michigan, puis le chevreuil marchait à la tête d'un zèbre pour nous trouver des arbres bien avant de regarder à terre. Fait que, tu sais, le chevreuil s'éduque. C'est à nous autres, de chaque place où est-ce qu'on chasse, de s'adapter pour ne pas l'éduquer de cette façon-là, parce qu'il ne faut pas penser qu'ils sont intelligents. Là. Ils sont habitués à une façon. D'année en année, c'est comme ça. Puis si tu chasses comme ça d'année en année, tu fais juste changer. C'est pour ça que moi, tu sais, on a découvert les micros-appâts dans Papineau-Labelle il y a 6-7 ans. Cette façon-là de faire, de mettre un appât à une place qui est de nuit, de la changer de 100 mètres à une autre place qui soit jour, je ne sais pas pourquoi, mais ça marche en tabarouette. Puis c'est souvent ceux-là qu'il faut travailler. Puis là, ben après ça, tu vas commencer à élaborer. Mais la pire affaire, c'est de rester à la même place 5 jours de temps, puis de beurrer ça d'odeur, même si on ne le veut pas, parce que tout ce qu'on dégage, ça va aller se placer dans le bois, puis là, notre place vient brûler. C'est ça, exactement. Regarde, l'année passée en Ontario, là, écoute, c'est pas des farces, là. Moi, j'ai énormément appris. Ma première journée de chasse, j'ai un beau 10. J'ai dit, OK, c'est fait. Demain matin, je suis dans mon stand. Il mouillait, il a neigé. Je peux aller le matin, je suis allé l'après-midi. Je suis parti parce qu'il a recommencé à neiger à cause que j'avais rien pour ma caméra. J'avais une caméra cellulaire, j'étais à Kingston. Je rentre dans mon truck, je reçois une photo. C'était à mon bac, je l'ai manqué de 20 minutes. J'ai brûlé mon spot dans ma première journée de chasse. C'était le seul temps qui est venu de jour. J'ai été là 20 jours non-stop. J'ai brûlé mon spot. Exact. Regarde, c'est pas long. Ouais. Exact. Ouais. Sauf que si tu travailles bien, tu sais, moi, je le dis, ça fait longtemps, le matin, c'est fait pour faire du call, faire du rattling, prospecter, trouve-toi des sentiers, va chasser là. 80% de l'alimentation des cerfs de Virginie se font à partir de la fin de la journée pour toute la nuit. Ben, profite de ça pour faire chasser sur tes appâts le soir. Ouais. Vérifie ton vin, OK? Assure-toi que ton vin est sur le bon bord. Tu sais, j'ai déjà eu des petits territoires sur un appât de soir, j'avais 4 stands. C'était pas compliqué. Sud-est, nord-est, j'avais 4 points cardinaux. Puis le soir, j'arrivais, je prenais mon vin. OK, je m'en vais dans celui-là. Puis demain, je m'en allais dans celui-là, tout dépendant du vent. Puis c'était la meilleure façon que je pouvais m'en sortir avec être capable de chasser cette petite parcelle-là. Parce qu'il y en a beaucoup qui pensent que ça prend grand pour chasser le chevreuil. Ça prend juste un arbre. Mais en autant que t'es bien caché.
Bon, il est, je pense qu'il est parti. Ah, je suis parti. Il est encore là. Ah, ouais, on ne te voyait plus. On ne te voit plus bouger à la caméra. On t'entend. Ah, t'es revenu. Shit, on manquait notre coup aussi pour parler. Ah, ben moi, vous savez, ben, les internets... Là où j'avais commencé, ça m'amène à une autre question que j'ai eue. On peut te chasser un dortoir avec le vent dans le dos? Ben, tu sais, c'est mieux d'avoir un vent de face, là. Puis, tu sais, quand tu t'en vas chasser, mais normalement, tu es supposé de savoir, en général, où ton chevreuil va sortir. Tu sais, ouais. Ça ne sort pas exactement, peut-être, à la place que tu penses, mais tu as quand même une bonne idée. Tu es supposé d'avoir fait ton devoir. Donc, ton mirador, il est supposé t'installer déjà puis pas avoir le vent dans le dos. Tout dépend. Tu sais, chevreuil, il sort en avant, t'as le vent dans le dos. T'es busté, là. C'est fini. No chance. Mais non. Ouais, c'est no ça. En fait, c'est que je comprends la question qui a été posée parce que si tu réfères ça à l'Orignal, il y a une nouvelle approche depuis quelques années. C'est que tu ne te préoccupes plus du vent et tu te badigeonnes d'urine puis tu t'en vas puis tu fais comme un Orignal. Et ça de Virginie, c'est totalement différent. Là. C'est pas pareil. Tu n'es pas capable d'approcher un salle de Virginie comme tu vas approcher un Orignal. Jamais. Fait que, je pense que les vents sont super importants. Le vent, le contrôle des odeurs. Puis, tu sais, il y a des guides qui ont été longtemps à faire la promotion en disant ouais, mais si tu as le vent en face, il ne te sentira pas. C'est sûr que si tu es en Saskatchewan ou peu importe où est-ce que tu vas aller, ben, ton odeur elle peut être moins grave parce que dans ces places-là, le chevreuil n'a jamais vu d'humain. Mais ici au Québec, en périphérie des villes, de toutes les places, écoute, on va être 140 000 chasseurs qui rentrent en même temps dans le bois, dans un petit territoire comme on est au Québec. Ben, c'est mieux de t'organiser pour ne pas sentir Joe Bob qui se fait une semaine qui ne s'est pas lavé parce que le chevreuil s'y analyse. Parce que moi, ce que je pense, en tout cas de ce que j'ai comme expérience, c'est que plus que tu vas contrôler tes odeurs, moins que lui est capable de savoir la distance que tu es de lui. Puis tu sais, Serge puis Martin, on est des chasseurs à l'arc. Vous savez que plus qu'on contrôle nos odeurs, plus qu'il va venir proche. À un moment donné, tu le vois, là, il sent de quoi, il n'est pas certain. Mais tu sais, si moi puis Serge, on se lave 2-3 fois par jour, puis Martin se lave qu'une fois par semaine, bien Martin, il a pas mal de chances de ne pas voir de chevreuil en dedans de 50 mètres, tandis que moi puis Serge, on va y voir à 5 mètres. Oui, effectivement. T'sais, puis il n'y a pas juste ça aussi, il y a aussi au niveau des installations. Oui. Moi, je marche toujours à 2-3 stands, tout le temps. Je ne vais jamais deux fois au même stand. Parce qu'à un moment donné, tu laisses les odeurs à terre, tu croises les trails. Écoute, j'ai vécu ça aux États, parce qu'aux États, il y a beaucoup plus de chevreuils qui citent. Puis à un moment donné, tu es dans un spot, tu vois 7, 8, 9 chevreuils. Là, tu ne veux plus bouger de là, parce que tu es habitué ici de voir ça, même pas d'une saison. Bien souvent, les années que j'allais là, tu voyais une trace à terre ici, ta chasse était faite. Oui. Puis là, tu colles là, puis là, à un moment donné, après deux jours, paf, plus rien. Tu dis, bon, c'est une mauvaise journée, le surlendemain, encore, puis tu finis que tu n'as plus vu un chevreuil. Pourquoi? Parce que par où tu passes toujours à la même place, tu croises des trails, tu laisses les odeurs, ton odeur frotte ses branches, il te capte tout de suite, c'est fini le bâton. Il y a une théorie, les Américains, ils appellent ça l'odeur en confetti, c'est qu'à toutes les fois que tu es assis dans un stand ou dans une tente ou dans une cache, chaque minute que tu es là, c'est comme si tu prendrais une poignée de confetti là, qu'on a d'un mariage, puis tu la lancerais dans le bois. Où que la pression, les déplacements, les corridors d'odeur se font, les confettis vont tout le temps aller se placer à la même place. Mais quand où ça va se placer à 80 % du temps à la même place, c'est là que les matures se promènent. Parce qu'eux autres, juste avec le nez, ils connaissent le thermal de l'environnement de l'habitat. Puis il va rouler là-dedans. Fait que s'il arrive là-dedans, ça fait une semaine que tu es en même place, puis que ton odeur est toute imprégnée dans le fond de la coulée, par exemple, bien, il va arriver là, il le sent, il revient le bord, puis il passe ailleurs. Fait que c'est là, c'est pour ça que des gars, en tout cas, des gars comme vous autres, des gars comme moi, rarement, on va essayer de chasser trop souvent aux mêmes places pour empêcher ces fameux confettis-là d'odeur d'aller se déposer tout le temps à la même place, de devenir trop concentré, puis d'éduquer ton chevreuil à ne pas aller là. Puis c'est pas compliqué, hein, ce qui arrive, il va revenir, mais la nuit. Ils vont changer leur pattern. Puis tu sais, là, si tu brûles un chevreuil de nuit dans ton spot, t'es fini. Là. Ça, c'est game over. Là. Change de l'année place. L'année prochaine. C'est ça, change de place. Ouais, puis l'année prochaine, il faut qu'il en aille un autre parce que lui, il va s'en souvenir. Là. Exactement. Mais tu sais, justement, quand on parle d'installation, j'ai acheté des miradors là, récemment, là, les fameux True North. Là.
Ouais. C'est des ladder stands portatifs. Puis écoute, ce que je trouve de génial de ce stand-là, c'est qu'il vient avec trois braquettes. Tu installes la braquette après l'arbre. Après ça, tu clipses ton stand dedans. Fait que tu peux déjà te préparer, te pré-préparer des secteurs. Puis tu sais, à l'arc, à carabine, c'est moins important un petit peu, là, mais à l'arc, là, tu mets ton stand un pied plus haut, un pied plus bas, là, tu viens de tout changer, tu as des branches, tu as des interférences pour tes flèches, puis, même à l'arbalète. Tandis que ce stand-là, tu l'installes, tu mets ta braquette, tu reviens après avec le stand, clouc, tu le mets là, il est à la même place, rien qu'à changer. C'est là qu'il y a l'avantage de ces stands-là, Serge, parce que de laisser tout le temps le stand-là avec le siège-là dans un arbre, parce que, tu sais, des fois, on peut le mettre en transition d'un sapin que le stand va se cacher dedans, mais tu le sais, des érablières, des places qui sont ouvertes, des fois, on veut se monter un stand-là parce que c'est là qu'il est renoué. Bien, de pouvoir être capable de débarquer le stand sans défaire tout ton setup, de le pogner, de le débarquer, de l'enlever. Quand le chevreuil, il marche, les arbres sont tous pareils, il n'y a pas de différence, puis il n'y en a pas de problème. Fait que c'est un gros avantage que True North ait été chercher ces fameuses braquettes-là, puis qu'on peut bouger nos stands comme on veut. Puis, tu sais, c'est un système de pédales. Ben là, moi, je peux avec les petits blocs de bois. Là. Moi, je ne suis pas bien comme plus. Toi. Hein? Moi, c'était mon grand-père qui mettait ça dans un petit bloc de bois avec une ceinture de troc. Là. Mais en tout cas, j'ai entendu parler de ça à un moment donné. Là. Mais inquiète-toi pas, j'ai fait ça, Serge. Mais tout ça pour vous dire que juste défaire les échelles avec les nouveaux crochets qui font clipper ensemble, tu défais ça, démonter ça, ça prend 3 minutes et demie, puis tu peux te changer d'arbre facilement. Fait que, tu sais, avec un stand, ça te donne 3 stands. Ah oui, puis faut que tu ça te donne 3 emplacements. Ça te permet d'être mobile. Ça te permet d'être mobile. Fait que ça, c'est... Quand t'es nomade à la chasse, là, c'est parfait. Ben, t'as pas le choix au centre de Virginie d'être nomade. Ben non, c'est clair. Et tu vois pas, tu vas brûler ton spot. Oui, mais faites attention parce que... T'es dans la bulle, là. Oui, mais faites attention à une affaire, c'est que les chasseurs à l'arc, comme nous tous, on a cette formation-là. Les chasseurs à carabine, ils n'ont pas la même mobilité et facilité, parce qu'avec la distance d'une arme à feu, tu peux te permettre d'être plus loin, d'avoir moins d'odeur qui va être proche, parce que nous autres, on tire à 10-15 mètres. Un gars qui va faire des setups intéressants en carabine, ça va être le gars qui va être capable de se mettre au maximum de son tir qui se sent confortable avec. Fait que plus que tu es loin, tu le sais, Serge, à l'ours, on fait ça aussi. Quand on a des chasseurs à carabine, on aime bien mieux se mettre le plus loin possible pour qu'ils brûlent notre bête d'ours, justement, parce qu'on ne veut pas que les ours... Tu sais, l'ours, moi, en tout cas, en ce qui me concerne, un ours, c'est borderline proche comme un chevreuil, en tout cas pour les gros. OK? Ouais. Fait que tu sais, que tu te places à une distance le plus loin possible à carabine, bien, tu donnes tout le secteur qui est en entour de ton appât sans odeur. Puis là, bien, au moins, ils sont capables. Tu sais, le chasseur à carabine, il y a plus de facilité, je vais dire, à pouvoir s'installer puis être installé d'une façon que nous autres, à l'arc, quand on se met d'un stand à 10 mètres puis qu'on veut qu'il passe en autour de nous autres, qu'on soit capable de le tirer, là, tu sais. Non, c'est ça, exactement. On fait-tu tirer un autre prix? Il est 8h. Ah, vas-y, il n'y a pas de problème. Hey, tu me permets-tu une affaire? J'ai Maxime Dion qui a posé une question qui me demande quand ils utilisent les phéromones synthétiques, le soir ou durant la nuit, ça gèle. Est-ce que le lendemain, il faut qu'il réactive avec? Sinon, il n'y a pas de problème. Tout ce qui est phéromones, là, c'est une base qui ne gèle pas. OK? Fait que quand ils installent, qu'ils sont installés dans le bois, c'est tout le temps le même 24 à 36 heures que les phéromones sont efficaces, mais ça ne gèlera pas. Fait que fais tes lignes d'odeur, fais tes stations, peu importe comment tu vas l'utiliser, puis inquiète-toi pas avec le gel, on les a testés à moins 30, puis ça fonctionne très bien, là, fait que tu n'as pas à te casser la tête avec ça, Maxime. Vas-y, Serge, le tirage. Bon, on fait-tu tirer un de tes kits pour tes appâts? Oui, le 141, parfait. Dedans, là, ils ont tout... Hey, écoute, j'ai manqué mon coup, là, parce que j'étais occupé aujourd'hui pas mal, parce que j'étais en forêt, là. Si les gens veulent voir tout ce qu'il y a dans les kits, là, c'est des kits qui ont une valeur d'à peu près 200$, là, si tu achèterais unité par unité. Puis on appelle ça, nous autres, des kits d'essayeux, là, le kit 140, 141, tous les produits sont dedans. Fait que si les gens veulent voir qu'est-ce qu'il y a dans les kits, qu'est-ce sur le site de la Fermonette, dans la recherche, ils tapent 141 ou 140, puis ils vont tout voir la description de ce qu'il y a dans les ensembles. J'ai mis à l'écran l'adresse web là, de la Fermonette. Ouais, en plus, comment? Ils ont juste allé dans le petit onglet recherche, puis tu marques 141, puis le kit il sort tout de suite, puis 140, la même affaire, le kit il sort tout de suite. OK. 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 On fait tirer un 141? Oui. On va faire ça à tous ceux qui nous font un thumbs up. Eh, si bol!
Je sais pas. Hey, Seb, on est combien? Ah, si, y a moi ça. On est combien, là, présentement, Seb? Écoute-moi, à l'écran, j'ai 1439 personnes qui nous regardent. Malade. Mais ça, c'est l'ensemble de... Parce que là, on diffuse en simultané sur la page à Martin, ta page à toi, ma page, mon YouTube, qu'est-ce qu'il y a d'autre? Aussi, la page de la pourvoirie aussi, je l'ai mis dessus. Okay. Fait que c'est l'ensemble de tout ça là, qui fait qu'on est à 1432. Là, on oscille entre 1400 et 1500 depuis tout à l'heure. Là. Fait qu'on a passé le cap des 93, ça fait un petit bout. Là. Hey, c'est bon! C'est ce qu'on s'est engagé à soir. Là. T'es tannant. Fait que faites-nous des thumbs up, puis on va vous faire tirer un kit les appâts. Puis justement, j'aimerais ça qu'on parle des appâts parce que 99,9% des gens chassent avec des appâts. C'est la période où... Oka fait une fortune avec ses pommes, puis des gars de moulés, puis tout ça. On jase-tu de ça? Ben, moi, Martin, m'a dire une affaire, puis tu me diras si tu fais pareil, Martin, OK, parce qu'on chasse les mêmes secteurs. Moi, j'essaie tout le temps de faire de quoi qui va être différent de mes voisins. Oui. Moi, souvent, j'aime ça prendre des marches avec ma blonde. On prend des marches sur mes territoires de chasse. Tu sais, en amoureux de même, là, tu sais, on se promène, puis... Oups, si je déborde de ma ligne, parce que je suis pas bon dans le bois, je me paye tout le temps. Moi, tu sais, je suis de même, hein. Puis là, ben, ma blonde, oups, je vois ce que mes voisins donnent à mes. Si mes voisins m'entendent, ils vont capoter de savoir que j'ai fait ça. Mais je vais voir qu'est-ce qu'ils donnent. Puis moi, je m'organise tout le temps pour donner différent de ce que mes voisins donnent. T'es pareil comme moi, Stéphane. Moi, je fais pareil. Toi aussi, t'aimes ça prendre des marches, hein? Moi, je prends des marches, mais, tu sais. tantôt, quand je te disais, j'ai fait un autre appât, là. Oui. J'ai juste été différent de ce que j'avais. Exactement. Exactement. Un chevreuil, il ne faut pas oublier que c'est curieux, OK? Oui. Fait que là, il y a une nouvelle odeur dans le secteur qui n'a pas senti encore. Qu'est-ce que tu penses qui arrive? Bon, ça va, il rentre direct dedans. T'en plein ça. Puis jour par jour, lui, il va rentrer. C'est qu'il faut apprendre à jouer avec les qualités et les défauts du gibier qu'on chasse, que ce soit à l'ours ou à l'orignal. Le cerf de Virginie, c'est un animal qui est curieux. Oui. Fait que la minute que tu fais quelque chose de différent, ben, c'est sûr que tu vas les attirer. Tu sais, on a parlé de faux grattage. Écoute, moi, aux États-Unis, j'ai parlé à Martin, là. J'ai été dans un spot, là. Si j'avais pas 50 gratteurs autour de moi, je n'avais pas un. Puis si j'avais pas 200 corneurs, je n'avais pas un. J'ai vu ça. Oui. Absolument. Absolument. Okay? Mais ça, c'était dans les premières années que je chassais. Là. Je me suis dit, hey, ça, c'est le spot, je m'installe ici. J'ai vu quelques femelles. Écoute, j'avais des arbres, c'était gros de même, le cornet. Là. Je me suis dit, une fois que je fasse attention, mais je rentre dans le bois, si tu vas me faire corner, c'est clair. Il va courir après moi. Oublie ça, j'ai pas vu un chevreuil de la semaine. Je sais pas si c'est arrivé, comment c'est arrivé, puis c'était des grattages frais, là, relativement frais. Là. Mais, parce que, je suis pas habitué à chasser en faisant des grattages, tout ça. J'ai jamais chassé de même aux États-Unis. Je prenais des grattages, je prenais des ouvertures de roches, des choses comme ça, des sentiers, que les passes où les chevreuils étaient susceptibles de passer dans les zones de transition, tout ça. Fait que j'ai jamais beaucoup exploré ça. Puis Martin, c'est la grosse mode de faire des grattages au sol. Puis on a eu une discussion là-dessus, puis c'est là que j'ai compris que cette semaine-là, là 15 ans, j'ai perdu ma semaine. J'aurais fait un nouveau grattage avec une nouvelle odeur, ça aurait tout changé. Exactement. Ça, je suis content que tu amènes ce point-là, parce que ça fait longtemps que moi j'utilise les faux grattés, j'ai toujours chassé comme ça. Puis là, je ne veux pas m'avancer là-dedans, parce que tu sais, je ne suis pas encore certain 100%, mais ça fait 4-5 ans que je me pose des questions. Qu'est-ce que tu as dit là? Tu as vu des gratteurs, tu as vu des frotteurs, là? Ben, j'ai mis des caméras là, sur des arbres, sur des grattages que c'est pas moi qui ai fait. Zéro bac. Zéro. Je vais faire un grattage, il va être dedans. C'est exactement ce que j'ai expliqué dans mon film de TFCP l'année passée. Je vais prioriser un bac qui va dans mon grattage à moi, que je vois un grattage qui a été fait. Je vais prendre mon gratteur avant d'aller chasser l'autre. Parce qu'il vient gratter dans mon grattage à moi, il s'intéresse à ce que je viens de faire. Ouais. Mais les études nous montrent que la majorité des grattages, tu sais, tu as les primaires, les secondaires, OK? Ouais. Les primaires, celui qui mange le dessus, ils vont y aller pas mal régulièrement dedans. Sauf que ce qu'il faut comprendre, c'est que c'est à ce temps, c'est à soir, là, c'est à soir qu'ils font ça. C'est ça. Okay?
Ils sont là-dedans, là, ça fait une semaine et demie, là, ça va faire au moins 7-8 jours. Là. Si on pourrait, parce qu'on a tellement des belles lois au Québec, que si on pourrait chasser cette période-là, qui est le pré-rut, OK? Puis, je reviens à ce qu'on disait au début, jusqu'à la première femelle qui tombe en chaleur, qui va déclencher le rut, OK? C'est ces grattages, les lignes de transition sur les lignes de frottage, ils vont être dedans. Mais la première femelle qui tombe en chaleur, puis qu'après ça, tu as 80% des femelles qui tombent en chaleur, pourquoi qu'il va perdre son temps à ouvrir ses scrapes à lui parce que lui, il a laissé sa marque sur son territoire, il sait qu'il est chez eux. Okay? Là, ce qu'il veut, c'est accoupler ses femelles. Il va être chassé. Quand il a fini avec une, il repart après une autre. Mais c'est sûr que si toi, tu arrives avec une nouvelle odeur, puis ton odeur, tu vas y aller modérément en partant. Puis là, il va dire « Hey, qu'est-ce qu'il fait là? » Puis tu l'augmentes, puis tu l'augmentes. Puis assis, à un moment donné, il va dire « Il est où? » Tu arrives un matin, tu cognes tes cornes, tu fais une faire deux, trois grandes, puis il s'en vient en courant, il y a les oreilles dans le crin, il y a le panache en avant, puis il veut tout varger parce qu'il veut t'enlever. Ben c'est ça la nouvelle odeur, c'est ça qu'on va faire. Quand on ouvre un gratté, c'est important là, de le réactiver, de s'en occuper. Mmh. Ça, là, c'est très important. Le monde, ils vont gratter, ils vont s'en aller. Tu peux pas faire non. Ça. C'est mieux d'en faire deux. Tu chasses les deux que tu vois que d'en faire 15. Ah oui. Tu peux pas faire ça. Puis c'est là que les caméras de surveillance rentrent en ligne de compte. Exactement. Parce que... Mais les gars, ah oui, avant qu'on aille trop loin, moi, il m'a coupé le micro, là. Je suis à la veille. Je vais revenir sur un point, Stéphane, que t'as soulevé. On en a parlé la semaine passée quand je suis arrivé de la pourvoirie. Oui. Tu parles de provoquer ton mâle. Pour que ton mâle accepte une provocation, là, ça prend un équilibre dans le ratio de mâle et femelle. Ah, oh, Serge, on s'amusait, là. Sauf que là, on s'en va dans les débats. Serge, on avait du fun, là. C'est quoi cette question-là que tu nous amènes là? Là, nous autres, là, on est tous excités. On croit là, que ça va marcher. Toi, tu nous amènes. Ben, je vais vous amener ailleurs, ben, je vais vous dire pourquoi. C'est que le chasseur là, qui va faire ça, puis qu'il n'y aura pas de réponse à ça là, de la part d'un autre mâle, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de mâle dans son secteur. Non, absolument pas. Ça ne veut pas dire ça. Donc, peut-être que si cette stratégie-là ne marche pas, il va peut-être falloir qu'il s'adapte avec une autre stratégie aussi. Oui. Il faut s'adapter. Mais on va en revenir sur l'équilibre parce que le prochain live, ça va être le 25, je vais le faire le 25 novembre après la chasse. Puis je vais avoir un invité, on va jaser de ça. Parce que Serge, tu dis ça, là, ça dépend du temps que tu as. Tu as deux journées. C'est ça que je te dis. Ce n'est pas la réalité de tout le monde. Moi, j'ai mes deux semaines. Je peux me permettre d'essayer de faire plein d'affaires. Quelqu'un qui a 4 jours, il y a une différence. Exact. Ouais, effectivement, tu soulèves un point. J'ai récolté beaucoup de chevreuils à l'arc, mais il y avait une raison simple. C'est que je passais 4 à 5 semaines par année dans le bois. Oui, ça fait une différence. Pas 2 week-ends, 4 à 5 semaines. Exact. J'allais aux États-Unis aux 2 semaines, back à back. C'est sûr qu'à un moment donné, plus tu passes du temps dans le bois, ben plus tu as de chances de récolter. Là. C'est mathématique. Exactement. Ça, c'est juste mathématique, oui. Mais j'aimerais ça qu'on revienne aux appâts. Je vais vous ramener dans les appâts. On reviendra sur le balancement du cheptel dans un autre soir, okay? Hein? On ne parle pas de ça ce soir. Non, c'est ça. La grosse mode, est évidemment aux appâts. Et tu as fait tirer... ton 141, j'aimerais ça que tu nous expliques exactement qu'est-ce qui vient apporter dans la peau. Bien, c'est ça qui va faire la différence parce que dans le 141, tu as des protéines, ce que le chevreuil a besoin, parce que ce qu'il faut que vous pensiez, c'est qu'un chevreuil, ça mange 5 fois par jour. Les femelles vont continuer à manger 5 fois par jour, sauf que les bas qu'eux autres vont arrêter de manger pour l'accouplement. Mais si tu prends ta micro à peau, parce que moi, je suis rendu fanatique des micros à peau, je suis plus vite pour faire les grosses à peau, bien que tu mets des protéines, tu mets des odeurs, tu viens rajouter, mettons, une moulée comme Frichetix que tu as dans le 141. Tu mélanges ça avec une coupe de pommes, puis tu viens rajouter, mettons, un kilo de maïs avec toutes les odeurs. C'est une odeur de pomme qu'on a mis dedans. C'est le spray qui fait la renommée de la ferme depuis le début. Bien là, tu arrives avec un micro à pas qui est parfait. Fait que là, tu mets ça là. Il n'y a pas un de tes voisins qui va voir qu'est-ce qu'il y a dans ce kit-là. Puis là, tu vas être capable de faire la différence. Parce qu'un bac chevreuil qui ne peut pas manger beaucoup, c'est la même affaire qu'un gars qui s'entraîne. Un gars qui s'entraîne, il a besoin d'avoir un maximum de protéines
pour garder sa force, pour faire ce qu'il y a à faire, c'est un sprint qu'ils vont faire. Fait que, tu sais, tu vas prendre un jus protéiné ou de quoi pour te donner de l'énergie ou ci ou ça. Bien, c'est, ils ont été pensés comme ça. L'ensemble 141 a été pensé pour ça. Fait que le gars qui a ça, ou la fille, là, j'ai un gars, mais les filles, c'est la même affaire. Un chasseur. Un chasseur, bien, il va être capable de faire la différence de ses voisins s'ils sont proches de lui. Puis là, après, quand tu vois que ça marche, bien là, tu fais juste continuer à alimenter ça. Fait que, tu sais, avec un kit 141, tu peux faire facile 5 micros à pot, qu'est-ce qu'il y a dedans. Si tu rajoutes tes pommes, tu rajoutes, mettons, du maïs, bien, tu as de quoi de faire de quoi de vraiment intéressant. Puis là, bien, en plus, bon, c'est sûr, on a mis des urines, des odeurs, et comme fleurs d'odeur, ça patente, là. Mais tu as exactement ce que ça prend pour faire différent de tes clients. Fait que de cette façon-là, ben, tu rentres le matin, puis c'est pas gros, t'as ça dans... Tu sais, moi, à cette heure, là, partir avec un trailer de poche puis de carottes, je suis plus dans ce mood-là. Les micros à pas m'ont tellement fait découvrir des beaux bugs, des différents bugs, surtout de jour. Ben, j'aime mieux faire ça, fait que c'est ça qu'il y a dans l'ensemble, Serge. Oui, effectivement. Puis écoute, le micro à pas aussi, tu sais, si tu fais un méga à pas, là, que t'as des tonnes de carottes, les premiers coups, les mâles, là, qui sont un petit peu méfiants, là, ils vont voir ça dans le paysage, c'est comme ça brigrette là. Exactement. Tandis qu'un micro-appât va plus passer, il va se fondre dans le paysage, puis il va avoir un petit peu de nourriture à terre, puis ça va faire le job autrement. Puis, ça va permettre aussi, je le vis moi à l'Ours, puis je le vis à l'Orignal, beaucoup plus qu'au cerf de Virginie là, actuellement. Mais un micro-appât va permettre, quand tu as des dominants sur un appât qui vont pousser les autres, ben ils vont aller dans ces appâts-là. Fait que tu vas garder ta population beaucoup plus proche, là, tu sais, ça va être plus facile un peu. Oui, puis il y a des femelles matures, là. Ils vont jinxer là, des mâles de deux ennemis. Exact. Ils vont se lever sur le pas, puis c'est vrai, là. Tu sais, les grosses femelles dominantes, là, ils vont pousser des bocs, là. Exactement. Je vais juste revenir. La question, je ne sais pas si c'est une question qui a été posée, mais juste par. Quand on parle d'appât, tu sais, les gens vont utiliser de la moulée, vont utiliser des pommes, vont utiliser du blé d'Inde. Qu'est-ce que vous pensez qu'il y a de meilleur dans tout ça? C'est-tu comme l'ours? Moi, je ne démarre pas des protéines. Là. C'est, moi, ça m'a rapporté tellement de résultats que tu sais, la moulée protéinée... Tu vas la mixer avec des pommes, tu vas les mixer avec... Absolument. Peu importe le genre de moulée que tu vas utiliser, le genre de bouffe que tu vas utiliser. Ben, moi, j'essaye d'enlever tout ce qui est mélasse. OK, tout, des moulées avec la mélasse, je ne prends pas ça. Ah, okay. Pourquoi? Ben, je veux savoir pourquoi, moi, Steph. Ben, moi, ce que le sucre, OK, ça fait fermenter. C'est pas idéal pour le chevreuil. Le chevreuil, il va en manger, on s'entend. Là, il est d'un temps où est-ce que c'est pas le fun et c'est pas bon. OK? Mais c'est une calorie vide, je vais vous dire. OK, moi, je ne trippe pas là-dessus, puis ça amène des raccoons. Je pense que ça amène toutes les raccoons de l'île de Montréal. Là, ils viennent tous dans mes spots quand je mets de la mélasse. Fait que j'aime mieux aller avec juste des protéines, puis travailler avec des odeurs. Exemple, je vous ai parlé de l'odeur de pomme que je mets. C'est fou comment est-ce que ça garde tes chevreuils-là, parce qu'une fois que ta micro à pas est toute mangée, si tu as laissé cette odeur-là qui reste parce qu'elle est synthétique, elle ne se lave pas vite, puis elle sent bonne, le chevreuil n'est pas encore assez intelligent que quand il s'en va parce qu'il n'y en a plus, il va revenir voir parce que ça sent le lendemain. Ah, il n'y en a plus, il va manger une coupe de feuilles, il va rester dans le secteur, il repart. Oh, ça sent, il revient. Fait que toi, ça te donne le temps de revenir réactiver dans ce temps-là si tu n'es pas capable d'y aller à tous les jours. Mais tu sais, la majorité des chasseurs, là, ils investissent dans les pommes, des carottes. Pourquoi? Parce que ça ne coûte pas cher. Puis moi, ce que j'ai appris, t'es bien mieux de prendre une fraction de ces pommes, de ces carottes-là que tu vas dépenser, puis t'es bien mieux de le mettre en protéines, puis d'arriver avec de quoi, je reviens tout le temps à ça, mais différent de tes voisins pour justement faire la différence, que si t'as des bocs qui veulent essayer de s'intéresser à ta place, bien, bang, tu vas les sortir, puis tu vas pouvoir te les amener, là, tu sais. C'est ça. Je sais pas si la madame en parlait de moi, parce que j'avais le bras dans les airs, je voulais parler. Ah, mais France, là, écoute, tu le sais peut-être pas, mais elle t'a suivi tout l'été pendant tes temps pour voirie. Elle me suit régulièrement sur Onjaz. Fait que c'est une fan, vraiment une fan de nous autres. Là, puis elle est tellement gentille. Puis ils ont fait des belles récoltes cette année. Fait que on la connaît très bien. Bon. Je vais vous poser une question. Une autre question. Moi, à l'ours, là, OK? Si j'ai un ours mature qui est dans mes appâts, puis que je suis habitué à donner telle nourriture, puis j'ai un client qui arrive, puis qui a son petit sac dans les poches, là, puis il va sacrer ça dans mes appâts, il va breaker le mâle mature.
Bon, Mathieu, il va revenir. Après 2-3 jours, il va revenir. Il va le breaker parce qu'il y a comme un changement qui s'est fait. Puis, whoop, ça va reculer. Est-ce qu'un cerf de Virginie, Mathieu, va avoir la même réaction dans un apport? Comportement. Le même comportement. Tu apportes avec des pommes. T'as plus de pommes. T'es obligé de prendre la moulée ou du blé d'Inde. Est-ce qu'il va breaker? Est-ce qu'il va backer? Ou il va rentrer là-dedans? Il va venir pareil? Ou ça va, il va backer pendant 2-3 jours? Ben, moi Serge, il n'y a pas un bac qui va réagir pareil. Là. Des fois, tu peux le brûler de même puis pour une niaiserie. Puis d'autres, tantôt, il va se ramasser de jour. Puis qu'est-ce qu'il fait là de jour? T'sais, c'est relatif. Là. J'ai plus de pommes. Ben, je vais mettre du stuff. Je vais me faire une ligne d'odeur. Je vais faire un faux gratté. Tu sais, il faut t'embrayer. Tu peux pas rester jamais. Là, puis, non, c'est ça. Parce que l'année passée, à un moment donné, il y a eu une pénurie de pommes. Oui. Oui. Et les gens ne savaient plus trop quoi faire. T'sais. Donc, on va tomber à l'alternative de l'odeur va être là. On va mettre d'autres odeurs, mais on va chasser en périphérie puis on va le provoquer différemment. La seule affaire, c'est que tu y vas mollo. Tu y vas graduellement. Puis c'est pour ça que l'odeur que tu vas rajouter artificiellement en entour de ce que tu peux utiliser à nourrir, ça va les garder moins méfiants. Fait que tu sais, ouais. Je vais donner un exemple. Tu vas switcher de pommes aux carottes. Ben, ça peut, s'ils ne sont pas habitués de manger des carottes, ça peut prendre une saison avant qu'ils s'habituent. Des fois, ils vont rentrer dedans tout de suite, comme Martin il dit. Mais si tu as travaillé, exemple, avec tout le temps la même odeur, puis l'odeur, ça part de loin, ça part des salines au printemps. Si au printemps, tu travailles avec... Là, je ne parle pas de la fermonette, là, je parle pour toutes les compagnies qui existent, OK? Si tu commences avec une odeur de saline au début de la saison, OK? Puis que tu arrives dans le temps de la chasse, au chevreuil, mettons, à carabine, essaye de garder les mêmes odeurs que tu as utilisées au printemps parce que tout le printemps, ils ont été sécurisés par cette odeur-là. Fait que tes jams, tes affaires, c'est sûr s'il en manque, mais là, tu vas dire, je me suis essayé de quoi, tu n'as pas rien essayé, peut-être. Mais si tu travailles une petite parcelle, un petit territoire, essaye de ne pas changer tes odeurs tout de suite. Puis si. Excuse-moi, Stéphane. Non, c'est bon. Mais tu sais, que ce soit n'importe quelle compagnie, si tu as eu du succès dans tes salons au début de la saison, une odeur de pomme quelconque ou un over, il y en a assez des odeurs aussi à ce temps, on ne sait plus quelle prendre. Oui, okay? Change pas la recette. Non, tu ne changes pas ta recette tout de suite. Puis si tu as une pénurie, du moins, essaye de retourner dans la même compagnie parce qu'eux autres, normalement, ils vont tout le temps utiliser les mêmes odeurs de produit en produit. Tu vas avoir une certaine constance. Puis là, tu verras. Puis comme Martin il dit, ben après, si tu vois que ça ne fonctionne pas, tasse-toi ailleurs, va en faire une un peu plus loin que d'autres choses, mets une caméra, puis regarde s'ils vont aller là. C'est ça. Brûle pas ton trou tout de suite, parce que moi personnellement, ben Laurentide, avec la pression de chasse qu'on a, tu changes d'odeur, il tombe de nuit, c'est fini, bâton. Ça prend une grosse semaine avant qu'il revienne. C'est ce que je voulais qu'on parle aux gens, dans le fond, là. C'est justement, quand il y a des changements, ben, c'est possible que le gibier, là, il bloque. Puis il faut le provoquer d'une autre façon. Il faut être ingénieux puis trouver une façon pour changer là, ça parce que c'est ce qui se produit bien souvent. Là, je vais reparler pour mon église, mais nous autres, tu sais, les produits là, que nous autres on fait, là, c'est nous autres ce qui les font, OK? Puis tout ce qu'on bâtit, c'est tout le temps dans cette stratégie-là. On est des chasseurs. Si tu prends l'odeur de pomme, exemple, tu prends le jam aux pommes au printemps, quand tu vas finir avec le spray à l'automne, c'est la même odeur de pomme qu'il y a dedans. Puis si tu prends le frichetix, exemple, à odeur de pomme, c'est la même odeur de pomme qu'il y a dedans. C'est justement pour ça, c'est que, tu sais, j'ai tellement chassé des petits territoires, bien, je veux m'assurer que, moi, en tout cas, si j'ai tout le temps chassé de même, bien, j'essaie de répéter ça pour ceux qui croient aux produits, qui vont chasser avec les produits, puis ça finit là. Puis là, bien, n'importe quelle autre odeur, ça fait, tu sais, je vois une question là, de Michael, l'odeur de noix sucrée synthétique fonctionne autant que l'odeur de pomme? Bien oui! Si tu as commencé au début de la saison avec ça, il n'y en a pas de problème, là, ton odeur. Écoute, je ne sais pas si tu viens, Serge ou Martin, tu dois te souvenir de ça. Tu sais, aux États-Unis, à un moment donné, Dan Fitzgerald, c'était un chasseur à l'arc, là, peut-être, vous devez le connaître. Oui, ils ont sorti du genre de chestnut, là. Eh oui, puis moi, là, Dan Fitzgerald, là, quand je chassais en Pennsylvanie, je chassais là, puis quand je chassais au Michigan, il était là, puis je chassais avec l'odeur de vanille. Oui. Il n'a rien inventé, le gars. Absolument. Mais le gars. C'était clair dans ses techniques quand on le suivait. Du début du printemps, quand il faisait ses patentes, jusqu'à temps qu'il finissait ses chasses de l'année, il y avait tout le temps les mêmes odeurs. Fait que, c'était ça que je voulais te dire tantôt. Tu ne changes pas une formule gagnante, jamais. Exactement. Jamais. Donc pour l'auditoire, là, tu chasses avec des pommes, grille-toi d'une odeur de pomme, tu manques de pommes, ben, tu travailles avec l'odeur de pomme,
Exact. Tu risques moins de scraper ta chasse. Oui, puis Serge, ça peut aller plus loin que ça. Tu peux prendre des pommes, puis tu peux m'a fucké tout le monde, là. Tu prends des pommes, puis tu vas mettre l'odeur de carotte. Mais si tu n'as plus de pommes, tu as continué avec ton odeur de carotte, ils vont. C'est correct? Oui. Si tu n'as plus de pommes, là, tu peux prendre du jus de pomme. Du jus de pomme. T'engorges tes feuilles, t'engorges. Je te dis, moi, j'ai déjà parti des salines comme ça. Exactement. Le seul, moi, quand j'avais fait ça, tu me corrigeras, Martin, si ça te faisait ça, mais quand je prenais des produits vraiment naturels, comme tu dis, du jus de pomme, des affaires de même, c'est que ça ne dure pas longtemps. Non, c'est ça. Ça s'évapore vite, ça, c'est bon sur le coup, mais après ça, puis c'est pour ça que toutes les odeurs, les huiles, les odeurs synthétiques, tu sais, quand on a commencé, avant que je sois dans Fermonette, là, OK, ben je courais les huiles, que j'étais capable de, que ça sentait les pommes. Tu sais, j'ai travaillé longtemps avec l'odeur de Jell-O aussi, parce que la cire, ça sentait bon. Ouais. Écoute. Je mixais ça aussi dans du sel, puis je pitchais ça dans les feuilles, puis ça marchait, parce que avec la pluie, ça épaississait, la gélatine restait là, puis ça faisait la job. Fait que tu sais, aujourd'hui, il y a des produits qualité, prix, performance. Ah ben oui, c'est pas pareil, mais oui, la durabilité est là. Ah oui, mais j'ai tout essayé ça. Là. Inquiétez-vous pas. Là. La Fermonette n'a pas commencé. Tout essayé ça. Donc, le conseil qu'on peut donner aux chasseurs, c'est qu'ils se préparent à conséquence d'être en pénurie d'un produit quelconque, puis qui éduque ses chevreuils à ça, comme ça, il y a moins de chances de se révéler, surtout s'il y a un laps de temps de chasse qui est court, qui n'a pas le temps de se réajuster, bien, au moins, il va maximiser son temps de chasse. Exactement. Là, il y a un point que je veux qu'on parle, on n'a pas parlé encore, puis souvent, les chasseurs ne parlent pas de ça, là. Et moi, je trouve que c'est un point qui est super important. Ce sont les vêtements. Ah. La qualité des vêtements pour nous permettre de faire la dernière heure qui est importante. La dernière. Que quand on arrive à la dernière heure, surtout si on chasse à l'arc ou à l'arbalète, c'est moins pire, mais surtout si on chasse à l'arc, d'être capable d'étirer notre arc, pas shaker, grelotter, puis aussi, c'est pour notre élève, nos femmes, nos enfants, s'ils n'ont pas d'agrément qui gèle la dernière heure, là, oubliez ça, ils n'aimeront pas ça à la chasse. Mes gars, là, quand je les ai commencé à les faire chasser, là, je les emmenais dans la dernière heure et demie de chasse justement pour pas qu'ils gèlent, pour qu'ils trouvent ça agréable. Puis j'aimais mieux scraper une place, mais qu'ils voient du chevreuil dans la dernière heure. Puis souvent, j'arrivais, le chevreuil était là, puis il se poussait justement à cause de ça, parce que le confort de tes vêtements va être en proportion du temps que tu vas être capable de toffer dans le bois. Puis, on en passe du temps dans le bois. Puis là, ben tu sais, le fret embarque. Là, on ne devrait pas avoir de pluie, là, normalement. Là, c'est la neige qui va embarquer. Fait que, tu sais, d'avoir des multicouches, de travailler avec des vêtements agréables, des vêtements, le son. Conçu. Le son. Le son. Moi, c'est le son. Hein. J'ai tiré mon arc, là, c'est psychologique. Hein. Ah non, non. Je vais rien que faire ça, là. Je sais qu'il ne l'entend pas, là. Mais je l'entends, là. Oh. Je capote les dents nous grattent. Hey, écoute, je ne sais pas si vous faisiez ça, là, mais tu sais, quand ta flèche est sur ton appui-flèche, quand tu étires, Les câbles. Tu sais, ils citent le nez, là, c'est gras. Là. Ils veulent pas, là, on dégage tout le temps. Là. Moi, ça, mon gars, là, je venais à la fin de la chasse à l'arc irrité parce que je faisais ça, je mettais ça sur mon burger. C'est pour être sûr que quand je fais. J'avais pas la cité. Ça me rendait fou. Écoute, les écarteurs de câbles. Ah! C'est un arc. C'est ça, exactement. C'est pour ça que je me suis en allé au traditionnel, moi. Non, toi aussi, parce que t'as des actions chez Godfellow aussi pour t'acheter des foraines, c'est silence. Mais pour en revenir aux vêtements, écoute, tu sais, moi, j'ai commencé à chasser quand j'étais à l'arc, plus qu'il faisait froid, puis quand on chassait, mettons, pas au Manitoba, mais en Saskatchewan à l'arc, ben à l'époque, c'était la fameuse laine Gerber, là, tu sais, là, c'était les gros manteaux qu'on avait. Ça prenait ça parce que tu sais, la laine, elle fait aucun son. Hein? C'est du 0 à 20 mètres. Là. C'est impossible qu'ils t'entendent avec la laine. Puis là, après ça, tu as eu tous les nouveaux vêtements synthétiques qui ont embarqué. Puis, comme Martin. Là, le pire, c'est que tu as les vêtements qui souvent ils vendent. Ils n'ont pas pensé aux frettes. Ils sont imperméables. Tu t'assieds dans le stand, là. Il est 2h l'après-midi. Il fait, mettons, 8 degrés. Asti, qui ne fait pas de bruit, mon saut, ça va bien. Là, le fret de poing, il m'en est fait faire ça. Mon gars, on dirait qu'il est fait en carton. Puis là, j'aimerais mieux avoir un polar sur le dos, même s'il n'est pas imperméable. Là, je vais geler, mais je m'en fous. Je ne ferai pas de bruit. Mais c'est dur de rester en place. Je veux pas,
Moi, là, je veux pas avoir de parti pris, puis tout le monde, ceux qui me suivent dans Jazz, ils le savent, là, je parle de tout le monde, puis je connais... Ouais. Écoute, moi, les vêtements, là, je suis comme une femme avec des souliers, OK? M'a dit seulement que j'ai rien contre les femmes avec les souliers, mais ma blonde, les souliers, elle aime ça, OK? Pas une méchante paire. Moi, je suis pareil avec le linge de chasse, OK? Si vous verriez mon garde-robe de chasse, vous capoteriez, j'ai toutes les compagnies, j'ai tout essayé. Aujourd'hui, là, à soir, ouais, si vous aviez un vêtement, moi, vous demandez à vous deux, moi, on va vous dire après ce que je pense, mais si vous aviez un vêtement utilisé, ce serait quoi? Martin, tu serais quoi, toi? Écoute, moi, je suis vraiment pas l'or. Pourquoi? C'est chaud. Ça fait pas de bruit. T'sais, c'est confortable. C'est rassurant quand tu es en polar. Moi c'est ça que j'aime. Tu m'enlèveras jamais le polar. Puis tu te rends-tu jusqu'à moins 15, moins 20 que ton polar? Ben là, écoute, j'ai pas des polars super bons. Je m'ai commandé une veste sur Amazon avec des batteries chauffantes. Ah, en polar. Mais c'est en polar. On va en revenir. En tout cas, moi, je peux t'en parler, mais j'ai fait des tests. Ça fait une semaine que je fais des tests sur le stock chauffant. Là. Ça ouais. Avec, c'est une belle alternative maintenant. Là. Je suis allé avec ça, puis comme c'est là, j'ai hâte de le tester. Mais surtout en Ontario, il va faire fret. Là. Exactement. Je vais le mettre à la carabine, je vais me pratiquer parce que j'ai dit que je faisais ma chasse cette année à la carabine, je la faisais à l'arc au complet. Okay. Donc, c'est ça. Enfin, il a compris. Non! Serge, toi, ça serait quoi? Écoute, moi, j'ai toujours été un fervent de laine, OK? Oui. Mais la laine, là, ça ne coupe pas le vent. Non. Fait qu'à un moment donné, là, quand tu fais des moins 15, moins 10, moins 15, j'ai pogné ça, j'ai chassé aux États-Unis au mois de janvier. Et on a pogné des moins 40. Alors, je peux te dire que quand tu avais fait 2 heures de stand, là, tu n'avais... Maximum, OK? Oh, oui. Là, évidemment, ben, avec Chasse-Pêche 2.0, j'ai découvert le linge Chitka. Et, l'autre facteur qu'à un moment donné, t'en mets, mais moi, en chassant à l'arc, ça me prend dans mes mouvements, il faut que je sois libre dans mes mouvements. Puis si j'en ai trop épais sur le dos, oublie ça, je suis pas capable d'étirer. Je vais étirer mon arc, là, mais je serais pas précis comme si je suis comme ça avec ma chemise. Exactement. Et le vêtement Sitka a été conçu pour les archers. On va parler du Fanatic, entre autres. Là. Je viens d'acheter un manteau à ma femme de Fanatic. Ça n'a pas de bon sens. Écoute, tout est conçu. À un moment donné, j'ai dit, tu sais, aux États-Unis, j'ai connu les handmuffs, là, pour les mains. Oui. Ouais. J'étais à ma femme, je disais, il faut que j'aille ramasser les handmuffs chez nous à Saint-Hippolyte. Ben, elle dit non, elle dit, il y en a dans le manteau. Hein? Exact. Il est fait pour ça, de la façon qu'il est conçu. Puis écoute, moi, j'ai un. Pas un fanatique, là, mais j'ai l'oncle, le dont m'échappe. Là, en tout cas, c'est celui qui est avant. Là. Ah, le Stratus. Le Stratus. Oui. Et juste le Stratus, j'ai chaud. Juste ça, j'ai chaud. Ben moi, ça fait une semaine, là, parce que j'essaye le Fanatic, là, je suis dedans, OK? Ça fait une semaine que je le porte, parce que souvent, je vais faire des soirs d'observation en forêt, je me place dans des places avec mon spotting scope, j'essaie de voir comment est-ce que ça bouge, je le quitte, puis il commence à faire froid, là, on a eu 2-3 bonnes gelées, là, cette semaine. Ouais. Puis, moi, c'est ce qui m'impressionne, c'est la confection. T'as raison, tu sais, j'ai essayé Connect, j'aime beaucoup leur style, parce que c'est fit, maintenant. Fait qu'un fit, ben, ça te permet d'être comme un gars un peu qui fait des exercices. Le vêtement, il colle, il est chaud parce que l'année passée, je l'avais fait à moins 25, OK? Mais cette année, avec la façon qu'il est fait, là, j'en ai amené un parce que je savais bien qu'on parlerait de ça à un moment donné. Mais ben, c'est une partie importante. Puis souvent, les chasseurs, c'est ce qu'ils vont négliger. C'est sur quoi ils vont investir en dernier. Puis pourtant, c'est sur ce qu'ils devraient investir en premier. Ben, tu sais, moi, là, premièrement, on parlait de la fameuse laine Gerber. Il est montré avec ça. OK, je vais le mettre là, juste pour passer à travers ce que je vous parlais. L'épaisseur du vêtement, comment est-ce qu'elle est faite? Mais moi, Martin, là, tu sais, je suis un archer comme toi, qui aille pensé à enlever la laine que tu as là. Je ne sais pas si vous le voyez là. Ouais. Qui aille pensé d'enlever la laine qu'il y a là pour venir te mettre un tissu qui ne fait pas de bruit, OK, sur le côté de ton arc pour que quand tu étires, tu n'ailles rien. Puis dans chaque. Quand que je portais cette laine-là, là, mon problème, là, j'avais l'air des bonhommes Michelin aussi. Quand je me fermais les bras, j'étais pas à l'aise. Dans chaque coude, OK, d'un pli de coude, ils ont pensé à ça, d'enlever la laine, puis de venir te mettre de quoi? Tu le sens pas, le vêtement. Puis, parlez un peu, mon attaché, là. Regardez bien ça. Ah, on va pouvoir en profiter pour parler. Il est parti. Mais là, Serge, moi, il va falloir que je te quitte bientôt. Laisse faire, si j'arrive. Quoi, Martin?
J'ai un autre live qui embarque, mais on va me faire chicaner. J'étais avec la classique. Il va falloir que j'y aille. Ah, OK. Ben, j'ai mais, pas le choix. Regarde bien, tu sais ce que tu parlais, Serge, ils sont là, là. Tu sais, la place pour les mains, là. Oh, OK. Ouais. En dedans, tu as une place pour mettre des chaufferettes. OK, mettre un chaud pour chauffer tes mains. Ici, tu as la place pour ton caoule pour pouvoir laisser couler la salive pour pas que ça, tes poches viennent pleines. Tu sais, il est pensé. Écoute, rarement. Wow. Tu as oublié dans le dos pour passer le safety harness. Regarde. En plus, c'est trop, mon Dieu. C'est juste un petit clip. Tu viens mettre ta safety et tu es déjà dedans. C'est sûr que c'est des sous. Là, je vois les commentaires passer. C'est vrai que c'est des sous. Je suis d'accord. Mais c'est un investissement, ça. Ouais. C'est important. Tu passeras jamais à travers ça. Là. Moi, en tout cas, pour l'avoir porté en masse à date, ben tiens, en masse, ça fait une grosse semaine que je l'ai sur le dos. Là, OK? Puis, moi, mon plus gros problème, c'est que j'avais peur à cause. Moi, j'aime beaucoup les capuches. OK, là, je me disais, ben, il était pensé, il n'y a pas de capuche. Puis c'est quand tu arrives avec les accessoires que tu as ton cache-cou, que tu as ton chapeau. Écoute, comme tu as dit, t'es comme ta femme, hein? Ouais, sacoche, coulier, chapeau. Tout. Non, mais tu sais, écoute, dans mon cas, là, je m'en vais, dans l'Ouest canadien. Après la chasse au Québec, je m'en vais dans l'Ouest canadien. Je vais passer 25 jours de chasse dans l'Ouest. Je vais pogner du moins 40, je vais pogner du moins 20, je vais pogner du plus 10. Fait que tu sais, tu pars avec ça, tu as tes sous-couches, en dessous, tu as chaud, tu l'enlèves, tu mets dans ton backsack, tu repars. L'investissement en vêtements, il est aussi important que l'investissement que tu vas faire dans ton arme à feu, que dans l'investissement que tu vas faire dans tes balles, que l'investissement que tu vas faire. Puis, tu n'es pas capable de te lâcher. Parce que c'est pas donné, là. Tu vas aller chercher un saut de même, tu vas flamber une coupe de sang bien vite, là. Tu vas faire le saut en 5 rames, OK? Ouais. Mais. Non, mais c'était à vie, ça, là. C'était à vie. Oui, puis, c'est pas ça. C'est que prends le temps. Vas-y, comme Martin disait, vas-y, tu sais, va te chercher un saut qui ne coûtera pas cher. Puis après ça, équipe-toi année après année. Puis là, tu montes ton équipement, tu montes ton saut, tu montes tes affaires, tu y vas. C'est un saut là, qui est excellent pour la santé aussi. Hein? Comment ça? Écoute, tu t'achètes un Fanatic, là, ça coûte 1200$. Le jour que tu engraisses, qu'il te fait plus, je peux-tu dire que tu vas maigrir? Chris, tu t'entraînes en essayant pour quitter dedans, je te le dis, moi. Je te le dis. Mais tu sais, je le comprends que, tu sais, je suis un des premiers à comprendre que quand j'ai commencé à chasser, je commençais avec des vêtements. Écoute, j'ai chassé longtemps avec du linge de surplus d'armure. Ben oui. OK? Il n'y en a pas de problème. Mais au fur et à mesure que tu avances dans tes chasses, tu sais, vous le savez, vos arcs, ce n'est pas les mêmes arcs que quand vous avez commencé à chasser. Non. OK? Non, mais tu sais... Hey, mais là, Stéphane, sérieusement, moi, il faut que je vous laisse. Hey, vas-y, Marc. Il faut que j'aille. Je suis déjà en retard. Moi, je vais me faire chicaner. Je ne serais pas le fanatique, là. Il faut que j'aille. Hey, c'est bon, Martin. Écoute... Martin, on suit là-dessus. Oui, puis on se reparle. Puis Serge, on s'appelle. Ouais, c'est ça, parce que j'ai été invité par Martin pour aller chasser en Ontario. Là, fait que... On va aller faire quelques petites chroniques ensemble. Là, on va... Laissez faire, j'en veux pas d'invitation, moi. Si on reste tout seul, chez pas nous. Le temps. Je parte, mais on se reparle, puis merci tout le monde. OK, bye. Salut, Martin. Salut, juste avant qu'on recommence, j'ai vu les commentaires passer. J'ai déjà deux gagnants. Je vais dévoiler le nom des gagnants à la fin. Fait que les gens qui étaient fous pas, il reste encore deux kits à faire tirer. D'ailleurs, on devrait en faire tirer un troisième, si tu veux, là. Oui, bon, vas-y, on va faire tirer un autre kit de provocation, Serge. OK, c'est ça, un kit de provocation. Dedans, tu as de l'urine de femelle, de l'urine de mâle, tu as le préorbital, tu as tout ce que ça prend pour contrôler les odeurs, tu as un nose. En tout cas, c'est un kit complet. Puis encore là les kits, tu sais, c'est des kits qui ont été faits pour essayer les produits. Les gens peuvent les essayer, puis quand ils ont trouvé ce qu'ils aiment, ils peuvent aller dans la boutique, le racheter après. Fait que c'est un kit... C'est un kit qui vaut aussi là, au-delà de 250$. Fait que c'est un beau cadeau. Là. Fait que moi, je vais demander aux gens qui likent. Il y a déjà 1700 likes, là, mais on va en rajouter d'autres. Ceux qui vont avoir liké, ben, ils vont être éligibles au tirage. Fait que go, likez, faites-nous des thumbs up. Puis. Je vais en choisir un au hasard quand je le vois passer. Là, c'est le même que je fonctionne. Là, quand je vois les noms passer, je m'en ai pas fait, j'en pogne un. Puis, Bon, quand on parlait, nous autres, on était rendus dans le vêtement, mais
un petit mieux. Tu voulais parler aussi des vêtements chauffants. Ah, écoute. Je me suis acheté ça aussi, là. Oui. Okay. Regarde. Attends, je ne sais pas si je l'ai gardé. Ah oui, je l'ai gardé d'un matin. Parce qu'un matin, j'en ai parlé. Tu sais, j'ai essayé. Attends, ça. Ouais. Écoute, ça va super bien. C'est très facile. Tu le connectes avec ton téléphone. Tu contrôles avec ton téléphone. Moi, j'ai acheté des bas parce que je suis plus frileux des bas que du haut du corps. Ben, et j'ai acheté à ma femme la veste. Ouais, la veste comme ça. Exact. Et écoute, on va l'essayer la semaine prochaine là, quand on va aller. Je les ai portés. Moi, je les ai portés pour travailler. Là, cette semaine, je voulais voir. Je les ai portés pour travailler, mais quand je suis allé à la chasse à l'oie blanche, je les avais. Ouais. Puis écoute, là tantôt, on a parlé d'un suit qui vaut au-delà de 1000$ là, pour le chevreuil. Si vous voulez une belle alternative, ça c'est pas hyper dispendieux parce que, écoute, j'en ai essayé des vestes qui vaut 5, 6, 7, 800$, là, des vestes chauffantes. Cette compagnie-là, attends, j'oublie tout le temps le nom. C'est Field Shear. OK, ouais, la compagnie. Field Shield. Vous allez trouver ça dans pas mal toutes les boutiques, là, OK? Il y en a pas mal partout à travers le Québec. Puis, ça en est une alternative que si, admettons, vous n'avez pas les moyens tout de suite d'investir dans des vêtements haute performance pour la chasse au chevreuil, bien, de prendre un manteau qu'il ne fait pas de bruit, on part avec ça. Puis, si tu mets ça en dessous, écoute, moi, à l'oie, là, on avait des... Je peux te le dire qu'il y en a eu du vent, si, il était poigné deux jours, moi, pas être capable de m'emmener, là. Il faisait froid, le vent était glacial, il nous passait... Puis j'étais le seul qui t'a fait bien souvent, justement à cause de ma veste chauffante, de mes gants chauffants, puis de mes bas chauffants. J'ai acheté les trois, moi, pour les essayer, là. Puis je suis agréablement surpris. Agréablement surpris. Je ne sais pas, Serge, tu te souviens-tu du prix de la veste? Une centaine de piastres, hein? Non, c'est plus que ça. C'est dans 100, 160 à peu près. Moi, ouais, ben, 150, 160 à peu près. Ils disent, dans les fiches techniques, ils disent que ça dure à peu près 11 heures quand même. Bon, ben, moi, à médium, ça a duré 5 heures. C'est ça, puis tu peux le recharger avec une plug USB. Ben oui. Plug USB, mets ça dans ton truck quand tu fais du traveling, tu recharges à mesure. T'as tes deux. Je sais pas combien tu as de batterie. Moi, les voix, j'en ai deux, un chaque côté. Là. Bon, ben, moi, pour la veste, je me suis commandé deux batteries de spare. Fait que c'était pas pris, là. Ouais, c'est ça. C'est ça. Puis écoute, c'est fait en. Les voix sont faites en laine de mérino. Oui, je veux pas péter ta balloune, là, mais la veste chauffante, elle est normalement 129,99 avec les batteries. Puis, là, je la vois, elle est en spécial dans beaucoup de magasins. Pro Nature l'ont en spécial, Sale, je pense aussi. Fait que, elle est pas 170, là. Elle est vraiment, c'est quand même pas payé, là, 129$ pour avoir de quoi de chaud de même, c'est hot, vraiment hot. OK. Bon, écoute, j'ai une question, j'ai pas lu la question, j'ai vu que c'était une grosse question, donc je l'ai mis. Là. Ouais. Première fois que je chasse le chevreuil, bon, comment ça marche le tag? Je dois lui acheter. Ou quand... ben, en fait, le tag, c'est le permis, c'est après le permis. Puis tu dois toujours accrocher ton permis avant de faire, même avant de le vider légalement. Ouais. Avant de toucher à ton gibier, première affaire que tu fais, tu mets ton tag. Aussitôt que tu le trouves, faut que tu décoches ton tag puis tu l'attaches après. Ouais. Automatique. Et je vous conseille de le faire tout de suite parce que souvent, dans l'énervement, quand on tue une belle bête, ben on l'oublie, on l'embarque dans le véhicule, on part, puis whoop, on se fait arrêter. Fait que, puis c'est là que les troubles commencent. Fait que... Exact. Bon. J'ai pogné un gagnant. Là. OK. J'aimerais savoir qu'on parle de comment? Tu parlais de câble? Oui, on pourrait parler de câble. on pourrait parler de rattling, de câble. Mais il y a aussi une affaire que je veux qu'on touche. C'est les armes à feu. Tu sais, moi, je ne suis pas très connaissant en armes à feu, plus en chasse à l'arc. Là. J'aimerais ça qu'on parle des armes à feu avant, par contre. Les calibres, les boulets. Ben, quelqu'un qui veut équiper sa femme, là. Ben. Moi, écoute, mon calibre de prédilection pour les jeunes, les femmes, puis même pour un gars, là, que tu sais, moi, je pars avec la 308 tout le temps. OK? C'est une carabine qui est versatile. Tu es capable d'avoir un boulet, tu es capable d'avoir pas mal toutes les sortes de boulets. Ouais. Elle est efficace jusqu'à au-delà de 300 verges. Fait que tu sais, si tu prends une 308, ça n'a pas un gros recul. Puis si les femmes n'aiment pas le recul, parce que, mettons, une 308, c'est quand même un minimum.
si tu fais rajouter un muzzle brake dessus, un anti-recul, ben là, écoute, tu te ramasses avec une carabine qui ne pousse pas plus qu'une 2.43 ou une 2.23. Ben là, tu te ramasses avec une carabine c'est 22, performante. Là. Ben oui. C'est 22, là. Ben, tu sais, c'est ça. Tu te ramasses avec une carabine qui est quand même assez performante. Puis là, tu vas avoir de quoi. Pour les boulets, ben, moi, ce que je conseille, c'est un boulet à expansion contrôlée. Donc, tu vas t'en aller avec du Sako Super Hammerhead. Tu vas t'en aller avec du Nosler Partition. C'est deux boulets que j'adore. OK? J'ai tué tellement de gibier avec ces deux boulets-là que j'aime beaucoup parce que autant que tu vas faire un tir à courte distance qu'un tir à longue distance, ton boulet va travailler dans le gibier. Le problème, souvent, c'est que si tu prends d'autres sortes de boulets qui sont trop durs, là, quand le boulet va rentrer dans le gibier, il va faire un trou, puis ça fait un peu la même affaire qu'une flèche. Il va mourir, mais il va faire un bout parce que ton énergie, elle rentre par un trou, puis elle sort par l'autre trou. Tandis que si tu utilises deux boulets comme le Super Hammerhead de Sako ou le Nosler Partition, ben, c'est un boulet qui reste en dedans. Fait que veux pas l'énergie du boulet, il faut qu'elle ressorte en quatre parts. Ben, où est-ce qu'elle sort? Ben, elle va faire éclater les poumons, elle va faire éclater le cœur, puis ça va sortir. Tu sais, faut sortir par les orifices, là, t'as pas le choix, là, tu sais. Exactement, exactement. Parce que vois-tu, je le vois moi, par rapport à la pauvrerie, là, souvent, là, surtout à chasse à l'ours, parce qu'on fait tirer des gens, donc on voit ce qu'ils utilisent. Là. Écoute, les gens arrivent, ils ont des carabines qui valent 2, 3 000, 4 000 piastres. Ils achètent des balles à 19,95 chez Walmart. Ah non, mais... T'sais, encore là, c'est incomparable avec le vêtement, puis je trouve ça désolant. T'sais, tu vas prendre une boîte de balles de carabine, mais pourquoi pas dépenser 50-60 pour avoir un bon boulet qui va ouvrir, qui va faire de l'expansion, qui va frapper, qui va faire la job laquelle a été conçue. Achète-toi une boîte de balles à 25$ si tu veux pour faire de l'ajustement, il n'y a pas de problème. Tu prends le même boulet, 180 grains, puis là, tu ajustes. Okay? Là, tu vas ramener ça dans à peu près grande main. Quand tu es prêt à aller à la chasse, tu prends 3 balles. Tu la mets dedans, tu sais trois coups, puis là tu regardes. Parce que des fois, mettons, tu vas grouper là, avec ta balle à 25$, puis là tu vas mettre ta balle plus dispendieuse, tu vas grouper là en haut, mais il groupe pareil. Fait que tu fais juste ramener ton télescope pour le ramener au centre, puis la job est faite après, puis tu es parti. Fait que tu sais, tu n'es pas obligé de dépenser 150-200$ de balle pour ajuster, mais une fois que, avec tes balles, mettons, moins chères, que tu t'es amusé, tu apprends à connaître ta carabine, tu apprends à connaître le maniement, tu apprends à jouer avec. Le fonctionnement, puis le manipuler d'une façon sécuritaire, tout ça. Exactement, toute la patente. Là, tu vas te chercher une bonne boîte de balles, tu finis ton ajustement avec ça, puis tu y vas avec ça, puis ça finit là. Puis écoute, j'ai... Cette semaine, on s'est parlé, OK? C'est sûr que moi, tu sais, je suis arc, je suis pas très carabine. Non, je comprends. Mais tu m'as parlé d'un petit bidule que tu as acheté, que tu vas traîner avec toi. Es-tu capable? Donne-moi 3 secondes, OK? Oui. Fais une petite danse, chante une chanson, fais quelque chose, on va aller te le chercher. Donne-moi une seconde. Bon, je vais pouvoir parler, mais laisse-moi, je suis seul, Martin est parti. Alors, écoutez, je remercie tout le monde qui est là. On a tapé le 1500 personnes ce soir. J'espère que vous aimez ça. Il nous reste un prix à faire tirer, puis je vais divulguer des gagnants là, dans pas grand temps. On va terminer probablement avec ce bidule-là, là, parce qu'il est déjà... 9h45, je vais... Bon, là, Stéphane. Écoute, moi, ce que tu m'as parlé, j'ai trouvé ça génial. Ben, écoute, puis là, tu sais, c'est pas fourni, là. Il n'y a pas personne, là, qui... Tu sais, moi, j'ai tout le temps ça, OK? Moi, j'ai un appui-joue après toutes mes carabines, OK? Après ma saco, là, pour être bien aligné, mais dans ma pochette, à cette heure, je l'ai tout le temps. OK? Puis, ce que c'est, ce que tu parles, c'est que c'est une douille... Comme ça. OK? Puis là, j'espère que mes batteries vont marcher parce que là, je me suis acheté des batteries à soir. C'est pas des jokes, là. Regarde, j'ai mes batteries là, je viens de savoir. Puis ce qu'on fait, c'est qu'on met les batteries comme il faut, là. 5e, tu me poignes les culottes à tête. T'aurais dû me dire ça avant que tu voulais parler de ça. Ah, faut que je te pointe ta surprise, t'en entends, toi. Ouais, je sais. C'est ça le plaisir. Ah, lève-la. OK, bon, bougez pas. Je vais refermer ça. Puis ça, ben. Ça amène exactement ce que tu veux parler, Serge. Là, vous le voyez, c'est un laser, OK? Fait que c'est une douille, OK, que tu prends pour le calibre que tu as. Tu vas venir mettre ça directement dans ta carabine, OK? Je ne sais pas si... Voyez-vous la lumière dedans? Oui. Ouais, regarde, tu vois la lumière dedans, là. Ouais. OK? Puis quand tu fermes ta montre dans la chambre, on va y aller en grande. Tout le temps qu'elle compte en direct que ça ne marche pas bien. OK, lève-le. OK, elle est rentrée dans la chambre. Puis une fois que tu fermes ton bolt action, mon chien, quand il voit le point rouge, il capote, il se met à tirer partout. Mais quand tu regardes dans ton télescope, tu vois exactement où est-ce que ton canon il vise.
C'est ça. Fait que t'es capable de voir comment est-ce que tu es ajusté. Vous allez voir. Ça veut dire que... Regarde en arrière. Ouais. Ah là, c'est cool, on voit bien. Ça veut dire que, bon, moi j'achète, je prends une carabine, je m'en vais à la chasse. Avant de partir, OK? Je mets ce bidule là-dedans, je vérifie mon j'ai été pratiqué, j'ai ajouté mon arme. Ouais. Je vérifie mon scope par rapport à ce que la lumière donne. Exact. Il oui, m'arrive une balle que... je vire à l'envers avec le 4 roues. La carabine a fait 3 tonneaux, Steve, nommé, avant de chasser, parce que là, je ne peux plus ajuster. Là. Exact. Je ne suis pas setupé pour ajuster. Je remets ça dedans et je rajuste mon télescope en fonction de la première lecture que j'ai prise, puis je vais être à peu près dedans. Exactement. C'est un ça? Ah, c'est pas cher, c'est une trentaine de piastres. Hey! Hey! Puis tu sais, puis attends, ça va servir à d'autres choses. Là, là toi, tu parles d'avoir d'avoir une sécurité, OK? D'être certain que notre arme est tout le temps bien ajustée. Oui. Mais quand tu achètes ta carabine, puis que tu veux juste avoir un pré-ajustement, là, on ne parle pas d'ajustement fini. Oh, non, non. Mais tu vas avoir un pré-ajustement, tu mets ça dedans, puis il faut que tu l'ajustes à 50 verges. Fait que tu mets ta carabine dedans, tu la mets sur un endroit là, qui va tenir comme il faut, à 50 verges, là, ton point... Attendez-moi, là, je vois rien. Hein. OK, il est là. Ton point, tu vas le voir, puis là, tu ramènes tes deux croix de télescope directement sur le point, puis là, tu tires. Fait que là, tu vas voir, ta carabine, elle va peut-être grouper en bas, en haut, à gauche, un petit peu, parce que c'est pas hyper précis, OK? Puis il faut pas se fier juste à ça, OK? Non. Mais comme tu dis, une fois qu'elle est ajustée, puis que tu regardes dans ton télescope, moi, là, dans ma 300 WSM, là, avec celle-là, là, OK, à 50 verges, c'est un pouce en bas, puis elle est très centrée. Fait que quand je prends ma carabine, même que j'arrive en Saskatchewan, là, OK, ou samedi matin, même que je pars, je vais mettre ça dedans, avant de rentrer dans le bois, m'a clippé, m'a regardé. Si elle est centrée, deux pouces en bas, je sais que ma carabine est ajustée, je pars, je m'en vais à la chasse. C'est ça. Ça, je voulais en parler parce qu'on en a parlé cette semaine. J'ai dit, écoute, ça, c'est un... en discutant de tantôt, puis on a parlé des vêtements, tout ça. Mais moi, je pense que pour des gens qui chassent la carabine, ça c'est un outil. Jouez les commentaires, là, bouge pas. Si j'ai pas mes lunettes, ça. Attends un peu. Ça s'appelle Sight, comme Sight, S-I-G-H-T, Mark. OK? J'en ai vu chez l'Ami Sport, il y en avait. Puis j'en ai vu chez La Tulipe, il y en avait. Okay. La date, il y a ces deux-là. Puis, tu sais, moi, sans parti pris pour personne, mais souvent, moi, ces affaires-là, c'est l'Ami Sport qui me les donne puis qui me le montre. Mais après ça, je m'informe où ils peuvent l'avoir, comment est-ce que c'est. Puis, j'invite les magasins à venir me le dire souvent. En avez-vous? Puis après ça, ben, je viens de perdre ma batterie. Après ça, ben, je passe le message. Fait que si les gens veulent savoir où, qu'ils viennent m'écrire ou qu'ils t'écrivent à toi aussi, puis on va essayer de savoir où est-ce qu'il y en a. Mais je sais que dernièrement, l'Ami Sport en avait, la Tulipe en avait. Pas sûr, ça, ils ne sont pas revenus pour me dire s'il y en avait, mais je sais là, que ces deux boutiques-là en avaient. Peut-être qu'il y a des pro-nature qui en ont, mais les gars ne sont pas revenus avec ça. Là. C'est ça. C'est juste que quand ce qu'il faut dire aux gens aussi, là, s'ils checkent leurs armes, là, ils sont sur le spot et ils checkent, là, pas oublier de mettre une vraie balle après parce que ça partira pas. Écoute, c'est ma hantise, mon gars! C'est ma hantise! C'est pour ça que je la tiens dans une pochette, puis quand j'ai fini, je la remets dans la pochette, puis je la sers dans mes affaires parce que. C'est ça. Je te le dis, si ça m'arrive, je vous le dirai pas, Anastie, parce que moi, on m'a trouvé l'hiver long avec toi, Anastie, là-dessus. Écoute, oh ouais, je suis mieux de ne pas le savoir parce que t'es fait. Parce que ça, c'est comme un déclencheur pour un archer. Ah, même affaire. Toutes les gens que je connais affaire, qui ont commencé avec un déclencheur, un jour ou l'autre, ils l'ont oublié. Il y en a deux, moi. Je n'ai un dans mon sac à dos, j'ai mon spare, puis j'ai mon autre, puis vraiment... Tu sais, on a quelqu'un qui nous a écrit, Éric Pilon, il nous dit que Sale n'a pas de dodo laser pour y vérifier aujourd'hui. Parfait. Ben, tu sais, au moins... Donc, t'sais, n'oubliez pas... Ouais, mais tu sais, Serge, cette année, là, il faut penser là, que les approvisionnements sont difficiles pour beaucoup de magasins. Tu sais, moi, dans mon cas, là, j'avais trouvé la 300 WSM chez l'Ami Sport, puis la 300 WinMag, il a fallu qu'il me la fasse venir. Puis ça a été long, je ne savais même pas si je l'aurais pour aller dans le bois, je les ai reçus. Puis j'en ai commandé pour mon 12, parce que je veux m'en servir, je veux jouer avec ça quand je vais faire mes ajustements pour les oiseaux migrateurs, puis pour le dindon. Puis c'était backorder, je n'étais pas capable d'en avoir.
Une question, ouais. Moi, je ne peux pas répondre à ça parce que s'il m'aurait parlé d'un arc, j'aurais pu répondre. Mais, ouais. Tu penses de quoi, toi, de ça, de ce calibre-là? Ben, tu sais, tous les calibres sont excellents, OK? Mais moi, je suis un fanatique des calibres 30. OK, j'aime beaucoup tout ce qui est calibre 30. Là, 308, 3006, 300 Win Mag, 300 WSM. C'est des boulets, c'est des balles qui sont faciles à avoir. T'sais, moi, je regarde tout le temps ma. Tu sais, quand je vais en voyage, il faut tout le temps que je prévois que si je manque de munitions ou peu importe ce qui arrive, je casse ma carabine, il faut que je réajuste. Il faut que ça soit facile d'avoir des munitions. Écoute, les calibres 30, c'est facile. La 270 WSM, là, de ce que j'entends là, dernièrement, c'est un calibre qui va disparaître à un moment donné. Moins de demandes, c'est un calibre qui a fait son temps. C'est une excellente arme. Là. Ça, on s'entend, là, tu vas récolter avec ça. Là. Mais ça n'a pas pogné comme c'est supposé pogner. Puis n'oubliez pas, hein, comme dans n'importe quel business, ils sortent des calibres puis espère que ça va pogner, puis espère que ça va rester. Mais tu sais, la fameuse 30-06, là. Tout le monde a ça. Toutes les camps de chasse en Abitibi ont une 30-06 dans le camp. Il t'arrive une flagos, t'as quelqu'un qui va avoir une boîte de balles à quelque part. Puis Serge, elle a tellement été dénigrée, ce calibre-là. Il y a tellement eu d'affaires qui s'est écrit. Puis moi, l'année passée, Sacco m'ont demandé de faire des tests de 30-06. Ils m'ont demandé de dire, Chris, es-tu capable de nous faire de quoi? Juste ton impression sur une 30-06. Fait que j'ai pris 3-4 sortes de munitions. Je me suis installé, puis j'en ai tiré de la balle, là, je te le dis. Puis je vais te dire de quoi, là. J'ai adoré ce calibre-là. 0,450 verges, la balistique est excellente. C'est bien entendu que j'ai pas niaisé avec les boulets, là. Puis tu sais, il y en a en masse des boulets de 30-06 à 19,99. Pourquoi? Ben, c'est parce que c'est l'arme qui est la plus populaire en Amérique. Ouais. Okay? C'est un calibre qui devient d'après la guerre. Ouais. Fait que, elle est là pour rester, puis elle va être tout le temps. Mais... En France, jusqu'à là, quelques années, c'était interdit à la chasse parce que c'était considéré comme une arme militaire. Exactement. Ben, c'est de là qu'elle vient. C'est pour ça qu'elle a été si populaire. Je pense que c'est à la fin de la Deuxième Guerre mondiale qu'il y en avait partout, puis elle est devenue une arme de chasse. Mais écoute, moi, demain matin, tu me donnes le choix dans n'importe quel calibre. Si j'ai probablement un calibre populaire que je veux être sûr que je vais avoir des balles coast to coast, Canada, États-Unis, c'est à 30-06. La 308 n'est pas loin en arrière, là, OK? Mais force de frappe, la 30-06 est encore bien plus performante. Les autres calibres, les magnums sont arrivés après. Oui, c'est sûr que j'aime beaucoup les magnums parce que, tu sais, que ce soit du WSM ou que ce soit du 300 Win Mag, je les aime beaucoup parce que j'aime les calibres qui sont forts. Je suis un chasseur souvent dans des endroits où je vais aller. J'aime les longues distances où le gibier va être à longue distance. Fait que ça va me donner une performance, une frappe de frappe. Puis, tu sais, j'ai tout le temps eu comme principe, j'aime mieux trois quartiers à terre que quatre qui courent. Mais pas compliqué, là. Une 300 mag va faire la même job qu'une 308 sans tirer à bonne place avec le bon boulet d'attitude dans le sol. C'est ça. Écoute, vite fait, parce qu'il est déjà 9h-10. Oui. Vite fait sur les cales à chevreuil. Grunt, rattling. Ben, écoute, à base, là, trouvez-vous un cal que vous êtes capable de faire le boc, la femelle puis le veau. OK? Le veau a sa raison d'être, la femelle a sa raison d'être, puis le boc a sa raison d'être. Puis là, Serge, on pourrait faire juste un live, juste ces cales, OK? Ouais. Mais essayez de trouver un câble. Il y en a là, sur le marché. Là. J'en parle souvent dans Onjaz, mais celui-là, il est merveilleux parce que tu as tout dessus. Ouais, juste en bougeant. Ben, c'est ça, tu sais, juste en bougeant l'ajustement ici. Fait que tu es capable de l'ajuster comme que tu veux. Après ça, ben, c'est juste d'être capable de jouer avec les chambres d'air en avant. Puis. Le chevreuil, c'est pas compliqué, OK? Quand le rut embarque, le grunt va les exciter. Après ça, tu peux embarquer avec le breeding bellow qui va être excellent. Puis un veau en détresse, il va être excellent aussi. Fait que tu sais, je veux pas embarquer là-dedans hein, parce que je te le dis, à 11h à soir, on va avoir encore ça dans les mains et on va en parler. Là. Mais, non, puis justement, avec le breeding bellow, là, quand ils ont sorti ça, mais tu sais, c'est pas tout le monde qui est capable de le faire non plus. Non. Mais tu sais, là, les odeurs, c'est le meilleur temps. Les appâts, c'est le meilleur temps. Puis le rattling, c'est le meilleur temps. Puis je te le dis, Serge, on aurait pu en parler. Oui, je le sais. Je le sais. On a effleuré un petit peu de tout, tu sais, là, de faire ça. Moi, j'ai une question.
Grosse corne ou petite corne? Synthétique ou naturel? Man, on va passer des heures et des heures, là, tu sais, là. Mais tu sais, moi, je trouve ça cool parce que c'est quand là, tu ne t'éconnes pas ses doigts parce que les G1 sont pas là. hein? À Offrette, quand tu swings ça ici de ses doigts, là, tu apprends un mot de l'église bien facilement, puis moi, je les connais facilement, les mots de l'église, là, fait que c'est assez rapide. Écoute, mais tu sais, une affaire, vous voulez pas qu'un chevreuil utilise son nez quand vous le collez. Pensez à ça. Le dernier sens que tu veux qu'un chevreuil utilise, c'est son nez. Fait que s'il rentre vos appâts, ouais. Quand tu regardes des vidéos de chevreuil, là, il est toujours en train de refaire. C'est tout le temps, il ne travaille qu'avec son nez. Tout le temps. Il se lèche le nez pour rafraîchir. Oui. Je ne sais pas comment on appelle ça, là, mais ce que ça fait, c'est que ça cligne la vieille odeur, puis s'il en sniffe un autre, il y a pas qui cligne, puis il y a pas qui cligne. Ils ne font que ça. Son cerveau est bâti pour analyser plus que ces 13 odeurs différentes en même temps. Il est capable de les empiler une par-dessus l'autre. Écoute, c'est une machine pour détecter les odeurs. Fait que, tu sais, négligez pas d'avoir du linge propre. La pire affaire, là, c'est ce que vous voyez à l'écran là, en odeur. La bouche, le nez, les oreilles. Ouais. C'est les pires affaires. Fait que, tu sais, d'avoir... Là, j'ai piqué ça, là, pas tantôt. Mais, tu sais, souvent dans les vidéos, vous allez nous voir avec ça. Là. On va se cacher le visage au max. Là, ça parle pas bien de même. Hey, on est habitué avec des masques, hein? Ça fait 2 ans là, qu'on porte ça. Là. Mais, tu sais... Ouais. C'est le principe du COVID-19, Steph. Ah, non, mais c'est vrai. Tu avais compris avant nous autres. Si ça oui. Mais c'est exactement ça, là. Mais tu sais, d'avoir de quoi qui va couvrir les odeurs-là, ça prend ça. Le chapeau, d'avoir des chapeaux propres, c'est important. Tu sais, la pire place là, pour les odeurs, c'est ici. Ouais. Tu sais, fait que, vos odeurs au max, après ça, ben, les vêtements propres, traiter l'ozone. Si j'avais sorti une machine d'ozone à soir pour vous la montrer, traitez vos vêtements à l'ozone dans le pick-up, dans le chalet, faites des traitements. Et... niaisez pas avec les odeurs, pas sur le chevreuil. Puis après ça, ben, si vous commencez à l'utiliser l'heure, vous rentrez dans son nose, dans ses affaires. C'est pour ça que sur le rattling, tu vas utiliser ses oreilles, tu vas utiliser ses yeux, mais tant que tu ne lâches pas de faire du bruit, il ne pense pas d'utiliser son nez. Puis là, il va approcher, puis il va rentrer sur toi. Fait que tu sais, mais... on n'a pas assez de temps pour parler juste de chevreuil. C'est une belle chasse. Ah, c'est ouais, écoute, moi, comparativement à l'orignal, c'est mon gagne-pain, mais j'ai l'impression de courir après des fantômes. Oui. Puis à un moment donné, paf, ça apparaît. Le cerf de Virginie, tu as toujours de l'action. Tu vas avoir des femelles, ça va bouger. Premièrement, normalement, il y a une plus grande densité au kilomètre carré que l'orignal. Fait que tu sais, c'est plaisant, tu vois des signes. Puis, tu vas chasser au mois de fin octobre, novembre, il n'y a pas de mouche, puis il fait frais. Mais tu sais, le rignal, on est rendu qu'il fait chaud. Et dans mouche-toi, comme dans le temps de l'ours, tu ne peux pas utiliser de stuff à mouche. Fait que tu sais, la chasse au chevreuil, là, c'est... Plus qu'il fait frais, plus qu'on a contre parce que t'es voué courir, puis t'es voué chasser. Ah, écoute, si j'espère, là, que... Là, je ne sais pas combien il y a de personnes qui me suivent, là, mais dans la prochaine année, là, suivez-nous, lâchez-nous pas, venez commenter, liker, partagez nos affaires parce qu'on est après. Des gars comme Serge, des gars comme moi, il y en a d'autres, l'UPF, toute cette gang-là, on va mettre de la pression sur le ministère pour ramener la chasse aux chevreuils comme elle était avant, pour qu'on puisse vivre des années de... On ne veut pas avoir des années de grosse quantité, mais des années de qualité de chasse aux chevreuils pour être capable de jouer sur le rattling, de jouer avec les odeurs, d'être là. Puis je le dis tout le temps, hein, c'est vous autres qui faites la différence. Vous autres, si vous nous écoutez, vous venez liker, vous venez commenter. Ouais. Les dirigeants, ils sont à l'écoute de ça. Puis je pense qu'on va être capable dans les prochaines années de faire changer ça. Réussir à rééquilibrer le cheptel. Ah, c'est que ça serait marrant. Non, on n'en parlera pas là parce que... Non, on n'embarque pas dessus, on est bonne humeur. Ouais. Steph, en terminant, bon, mais là, il faut... Hey, je pense qu'il reste un kit à faire tirer, hein? Oui, c'est un 141. Oui. La question, il faut que les gens viennent mettre. C'est quoi le meilleur calibre que j'ai parlé que. Calibre le plus populaire. Le calibre le plus populaire. En Amérique, c'est lequel?
OK. Répondez à ça, puis on vous donne 3-4 minutes, 5 minutes là, pour vous répondre à ça. Là. Puis pendant ce temps-là, on va jaser. De toute façon, si j'ai rien à dire, Stéphane va parler, c'est pas un problème. Steph, parle-nous donc de ton groupe. Ah, ben merci. Ben écoutez, sur Facebook, j'ai parti un groupe qui s'appelle Coach de chasse avec Steph Monette. Puis je travaille fort pour mettre des vidéos exclusives puis donner d'informations un peu plus crunchy. Puis vous allez voir dans l'hiver, on s'en vient avec de quoi. Je t'ai montré de quoi d'intéressant pour la gang de coach de chasse. Puis ça ne coûte rien. Vous venez juste dans l'onglet Facebook recherche. Faites juste mettre coach de chasse Steph Monette. Vous allez voir, ça apparaît tout de suite. Puis venez vous ajouter. Puis vous allez voir, on va avoir du fun. On va faire des tirages. Mais quand on vient de la chasse, là, on va rendre ça encore plus le fun. Puis il y a plein d'affaires qui s'en viennent. En tout cas, on a plein de bonnes idées. Là. Je pense que ça va, le monde, vous allez triper. Mais la beauté d'un groupe, c'est qu'on est capable de monter plus d'affaires. On va dire ça de même, hardcore. Fait que du sang, tu sais, des ulcérations, des recettes, comment arranger la viande. Ça s'en vient tout là-dessus cette année. Fait que on va avoir du fun à vous montrer ça. Fait que venez vous abonner à Coach Joshua, ça va être cool. Ouais, ouais, exactement. T'as-tu bien des archers là-dedans? Tout le monde! Pas de problème avec ça. Je fais pas de sélection. Là, juste la beauté d'un groupe de chasse, c'est qu'on est capable d'être. Parce que quand on est, tu le sais, là, n'importe quel média social, les algorithmes nous barrent si on monte une arme à feu, si on monte trop de sang, si on monte un couteau, si l'algorithme pense qu'on est pas là, là. Mais dans un groupe de chasse, on a plus de latitude. Fait que dans cette latitude-là, ben, on va être capable d'aller s'amuser pas mal plus. Fait que c'est pour ça là, qu'on build des groupes maintenant puis qu'on demande au monde de venir adhérer au groupe parce qu'on est plus capable de se laisser aller, d'être plus lousse, mettons. Là. OK, good. Fait que, écoute, on a pas mal de monde qui ont écrit. Je vais commencer par les premiers gagnants. Le premier lanceur provocation, le premier gagnant, en fait, c'est une femme. J'ai choisi au hasard parmi ceux qui avaient partagé le live. Les femmes sont rendues, j'ai eu les statistiques aujourd'hui, les femmes sont rendues à 27 % de notre clientèle de chasse maintenant. Way to go, girls! C'est vraiment cool, ouais. Ça. Hey, regarde, les femmes, faites-nous un petit thumbs up. Ah, juste voir s'il y a bien des filles à soir, ouais, c'est vraiment nice. Ouais, ouais. Fait que t'as gagné, c'est... Je vais te dire de quoi, OK? Hey, là, les barbus, ils vont capoter en estime, mais j'ai ça, là. Mais les femmes, c'est eux autres qui posent les meilleures questions. Puis cette année, là, dans toutes les filles que je suis, qui sont dans mes groupes, toute l'équipe, les filles ont récolté en masse cette année. Parce que les femmes, ils écoutent. Il n'y a pas de testostérone. Les filles Écoute. Moi, par mon travail. Ah oui, c'est vrai. Je peux te le dire. À la chasse à l'ours. Tu dis à des gars, faites pas ça. Oublie ça. Exact. Tu dis à une femme, mets le pied droit à gauche. Ah ouais, absolument. On va le mettre à gauche. Absolument. Puis je te dirais que les femmes vont récolter plus vite que les hommes, souvent. Ben d'accord. Ben d'accord. Les boys, watch out, les filles s'en viennent pas mal. Là. C'est plein de filles. C'est vraiment nice. C'est vraiment nice. Écoute, le premier prix, ben, c'est Madame Linda La Liberté. Fait que je vais demander, je vais essayer de la retrouver là, dans le monde, parce que là, écoute, on est rendu à 2000 likes. Je ne sais pas comment est-ce qu'on a de commentaires, ça doit être hallucinant. Ça, je fais juste dire aux filles, aux gagnants, là, à la dame qui a gagné, moi, ce que je fais souvent dans mes tirages, je leur demande qui m'écrivent en privé. Ouais, de venir me réécrire en privé, dire « Hey, tu m'as nommé », puis là, on fait patente. Fait que Linda La Liberté. Ensuite, le deuxième gagnant, c'est Luc Lafleur. Oui. Le troisième pour le kit provocation, c'est Pascal Pagé. Parfait. Et le quatrième, c'est Pinot. Ah! Réjean Houle. C'est bien drôle. Puis, hey, Serge, si les gens te répondent vite, OK, envoie-moi ça le plus vite possible parce que mon équipe, pour les livraisons web, on travaille fort à travers la province et à travers le Canada pour envoyer ça en dedans de 24 heures. Fait que si tu as tout ça à soir, envoie-moi les noms. Puis moi, demain matin, je fais faire les commandes tout de suite. Puis on fait envoyer ça pour qu'ils puissent profiter de leur kit d'essayer, là, des essayeux, qu'ils puissent l'essayer pendant la chasse. Là. Ils n'auront pas ça après. En tout cas, normalement, là, on est jeudi. Demain, vendredi, ça devrait rentrer chez eux en dedans de mardi. Là, parce qu'on met un gros rush pour aider tout le monde et que ça avance bien. Parfait. Good. Fait que écoute, Steph. Ça a été super le fun encore une fois. Ah, c'est malade. Ça fait du bien de jaser. Puis on dirait que ça, avant que la chasse arrive dans deux jours, là, ça a fait du bien. Oui, puis écoute, moi, toi, tu jases à tous les matins.
Ouais. Moi, j'ose pas. La dernière fois, j'ai jasé, c'est au mois d'août quand on a fait un live. Là, j'ai fait ça là. J'avais hâte de recommencer. Là, c'est sûr que les deux prochaines semaines, j'en ferai pas parce que le monde va être parti à la chasse au chevreuil. Fait qu'on va les laisser faire leur chasse. Mais en revenant, je pense que c'est le 25 novembre, je vais en faire un. Puis on va parler du cheptel, on va parler de tout ça. Puis je devrais avoir une invitée de marque aussi que tu connais. Ouais. Je ne sais pas si tu avais le goût de m'inviter, mais j'aimerais ça venir vous faire. Si je suis encore dans l'Ouest canadien, j'aimerais ça venir vous faire un coucou de l'Ouest canadien. Aucun problème, on va s'organiser. Cool. De toute façon, on va rester en contact. Puis écoutez, les gagnants, si des fois ça retarde un peu, inquiétez-vous pas, c'est parce qu'il est parti dans le bois. Puis, Non, si vous me donnez ça assez vite, là, inquiète-toi pas. Même tu peux l'envoyer texto, Serge, je suis capable, moi, de faire les commandes directement de mon téléphone, puis d'envoyer ça à ma gang. Puis on va s'organiser, puis ça rentre vite, il n'y a pas de problème. Parfait. Fait que Steph, un gros merci. Écoute, ça a encore été super le fun. Vraiment nice. Vraiment nice. Puis un gros merci à tout le monde. Puis écoutez, on se voit le 25. On se revoit pour un autre live avec Chasse Pêche 2.0. Salut tout le monde. Salut tout le monde. Demain matin, on jase, je vais être avec vous autres. Ciao, bonne chasse. Soyez prudents. Oui.